C'est génial. Justine qui veut un perv. Ah ok, je vais en trouver ouais. un. Est-ce que t'as bigot ou pas, Ouais, ouais, Justine? ouais. Et tu travailles? Oui, je travaille. Je travaille dans Attends, t'es juste l'événementiel. sur quel compte pour Je éviter suis que je fasse préparatrice le mauvais? d'événements, en fait, de mariage, de... Ah, pas con ça. Ah oui, Elodie. Le compte d'Elodie. C'est comme mon mail. Ah, lourd, ça. Ouais. Tu peux juste me redonner le nom de la meuf et ça sera bon. Valentine, tu vas toujours dans Rencontre. Je suis ici pour Pour parler que ça avec évite à toi. chaque fois, C'est tu regardes en quoi ce Rencontre et il n'y a pas délire? beaucoup de live, de toute façon, tu verras bien. Non, mais je te raconte ma vie. Ah oui, Ah bien oui, sûr, j'en j'ai ai fait mes 4. 18 ans, Ok, j'ai un c'est good. appartement aussi. Du coup, voilà. Attendez, je reviens. Oui, c'est moi, Pablo Escobar, et toi, Lady Gaga. Arrête de parler, frérot, comme les filles. Elle ressemble grave au chanteur des frères Hanson. Ah, le bâtard! J'avoue, au petit. La meuf, elle ressemble au plus. Elle ressemble au plus petit des frères Hanson, ouais. Ouais, gros, on n'a rien compris à ce que tu nous as dit en vrai, franchement. Apprends un peu à Ah, le parler, après on bâtard! verra Le par petit la pige suite, des gros. frères C'est Hanson! comment? Tu Ah, veux le la meuf, va bâtard! faire les papiers ou quoi, gros? T'inquiète, elle allait t'envoyer des papiers comme ça, quoi, gratter, et devenir son frère. Par contre, cette hauteur sous plafond, les gars, c'est quoi? J'avoue, c'est quoi ce Il bordel? est parti au bled là, il a été chercher un bateau pour arriver en France, comme il Ah t'a mais vu, lui, ça y est. attends, j'ai pas compris qui c'était. 10 mètres de hauteur sous Je sais pas plafond. qui Pas c'était. beaucoup, j'ai pas compris vraiment c'était qui. Même toi, j'ai pas compris Oh t'étais qui putain, on quand va je viens rigoler ce d'arriver, je soir. te jure, je te connais pas. Ah ouais? Ah Qu'est-ce que moi je fais mon après petit lui? bonnet Je suis en Chanel, train de franchement préparer tu une vends ou pas? line-up. Moi je te l'achète. Tu m'as dit quoi? Propre, propre. Je te l'achète ton bonnet Chanel. Non, 10 mais euros c'est comme un ça cadeau. je reviens. Non, mais c'est un cadeau de ma mère. Ah ouais, putain. Elle peut Ça pas coûte faire des combien un cadeaux bonnet à ta mère Chanel? à moi. Franchement, je suis Non, un bon mais petit c'est gars. gâteau, c'est mon anniversaire. Et ma mère, elle m'a offert le bonnet, la veste et elle m'a offert Ah un ouais. jacuzzi aussi. Ah, la chance, hein, franchement, pas mal. Hein. Une pépite cette Ouais. discussion, mais de fou. T'as pas... Ah, mais de fou. Ah, On mais va en rigoler plus, ce vous savez soir, pas, les moi, gars. toute la nuit, j'ai pas dormi. Hein. Moi, je dors pas toute la nuit, là. C'est Champion, chaud. ton Son père parti, là. il part Débat, demain, il sa faut. mère, elle doit être avocate et son père, il est médecin. Voilà, quoi. Ils ont de l'argent, c'est tout. Ta mère, elle fait quoi dans la vie? Elle est pompier et en même temps, elle travaille dans la gendarmerie. Mais Ah, attends, pour mais comment ça se savoir, fait qu'elle a là. une maison comme ça? Du coup, voilà. Une Et mon hauteur père, sous je ne connais plafond, pas. j'ai jamais vu ça, il faut En chauffer tout ça en cas, plus, là, hein. il va voir quoi? Ton Elle a nom dit quoi sur fils son père? de Adem, fais voir ta. Ah ouais, c'est l'autre là. Putain, c'est encore le mec, il a ragé, c'est pour ça. Il est Ça tombé, n'existe pas pas, c'était mal du brûlé. fake. Attends! Et tu viens de toi alors? Sa mère, elle a Je acheté sais pas un qui tu bonnet viens de la région contrefaçon? parisienne. Contrefait? Mais Là? ouais, t'as de la chance parce que mon papa, une fois, je voulais une moto, il m'a dit non, tu travailles bien à l'école. J'ai jamais bien travaillé à l'école, j'ai jamais eu la moto. Il Ah, m'a mais on jamais est rien deux. Moi, donné. j'ai jamais travaillé à l'école. Attends, Hein. sa mère, elle a scamé en Attends, je fait. t'explique. De ma sixième à ma C'est troisième, vrai que sa j'ai mère, eu elle a trouvé ça au de marché. moyenne. Ah bah tiens, bah prends-lui. Et Et le j'ai eu mon jacuzzi, brevet. Je sais pas comment, mais bah j'ai eu mon prends-lui, tiens, brevet. la Bon, après, petite. je La suis chaud. petite. Ouais, Ouais, voilà, mais la tout baignoire passer là, pour comme te ça, ouais, en débarrasser de plastique, l'école, en voilà. fait. Comme ça, sur Voilà, toi. 80 Ouais. balles, allez, nickel. Hop. À mon avis, ça doit être Me ça. dis pas qu'il lui a Il y en a acheté pas les mal, petites tu sais. bassines là, les petites Ouais, bassines gonflables de tranquille. piscine pour l'été. Le Corse, Elle a pris ça pour un ça va jacuzzi. tranquille, tonton. Ouais, si, les petits tatouages, au calme. Franchement, propre. Il fait délirer le Du monde mec. chez toi. Ah, si, si, tonton. Bah ouais, t'as vu, tonton du bled, tu connais ou quoi? Le 113, C'est Rimka. jamais marqué Aïe, aïe, Chanel aïe. dessus normalement, ah ouais? T'as les dents bien blanches. Ta mère aussi, elle t'a payé une de blancheur dedans? Ouais, elle m'a tout payé, ma mère. Non, je déconne, j'ai été en blanche depuis ma C'est naissance. quoi cette Bonne hauteur sous chance. Ah bah, plafond, ça va, quoi? au calme. Je t'appelle vraiment Valentine? Oui. Ou c'est Valentine? Non, Ah, c'est Valentine. non, Il me c'est casse les Valentine. couilles, j'ai envie de le terminer, lui. Ok, le Algérien, Nikatamar. Nikatamar. Et moi, Mais qu'est-ce qu'il a? Portugais, Qu'est-ce qu'il a fait Niketogra. l'Algérien? Je sais pas, il veut 2 quoi minutes lui? à Il veut attendre. du pain, on dirait. Moi, j'aime Nikariama. beaucoup les Algériens. Moi, T'aimes bien t'aimes les pas les Algériens? Algériens? T'as déjà des bines de Ah ouais, prévues, bah vas-y, j'espère. Icon? Non, mais moi, c'est quoi les Attaque directe, hein, Algériens? au pire. Hein. Mes collègues, je t'explique, c'est des Algériens, Marocains, Ouais. Tunisiens. J'ai de tout, moi. Oui. Jure. Et ta maman, elle en Dans quoi? envoyait des Algériens, des Marocains, des Tunisiens en gendarmerie, en garde à vue plutôt? Non. Ma mère, tu Ah. sais quoi, ma mère? Ma mère, Ouais, elle je suis arrête après les lui, je gens, suis elle après rigole lui. avec. Ah, elle rigole juste avec. Ma À mère, elle a savoir. jamais mis. Oh, ma mère, ça fait 2 ans qu'elle est en gendarmerie. Elle a jamais mis une amende. Et à chaque fois, bah, elle se fait engueuler par son patron. Bah c'est chaud, putain, mais c'est pas une bonne gendarme alors dans ces cas-là. Ma mère, elle laisse passer Salut tout le monde. Elodie, Elodie, t'es quoi, t'es Bah lesbienne? déjà, c'est une Non, full ton père, il mytho, hein. bosse dans Faut quoi? dire qu'il y Mais a, pourquoi un tout le monde veut quota à savoir? faire. Mais mon père, je connais J'en pas sais mon rien. père. Ah, tu Moi, connais je pas travaille ton dans T'as le dit coin. quoi?
Moi, je travaille dans l'événementiel, non, donc rien, je suis préparatif de mariage et tout. Baptême, anniversaire. Elle prépare dans les mariages, dans les baptêmes, c'est de préparer un peu tes bindes. T'aimes bien la gendarme? Oui. Qui ont rapport, ouais, avec, qui ont rapport avec les flics et la police. Et tu veux pas ramener tes parents dans la vidéo aussi? Mais non, je vis seule. Je vis ça chez moi. Ma mère, elle est pas là, là. Voilà, vas-y, en même temps. Il faut. Dommage, et ouais. Non, mais ça y est, je vais pas faire ramener mes parents, là. Déjà que mes parents, des fois, c'est tendu, des fois, avec eux, là. Ils vont venir comme ça, normal. Ils vont pas venir comme ça, wesh. Ouais, voilà. Ah, sérieux, je vais pas mes parents. Non, non, je vais pas mes parents. Tu vas venir quoi, en plus de 50? T'as une grande hauteur sous plafond. Ah, je sais pas, c'est pas moi qui a construit ma maison. Mais c'est quoi ces questions à la con? Franchement, t'avais pas plus intéressant, Elodie. Je suis pas architecte, les gars. Valentine, enlève ton bonnet pour voir ta tête. Mon bonnet? Ouais. Ah ouais, ça passe mieux sans le bonnet. Avril Lavigne. Ah ouais. Mort de rire. Mais vas-y, remets-le vite fait. Pour voir, ouais. Ça fait quoi avec le bonnet? Ah ouais, ça passe vraiment mieux aussi, là. Franchement, nickel. Je sais plus quoi choisir maintenant, du coup. Vous direz Avril. C'est vrai, là. Il y a la Moïse vigne. Qui est passé. C'est pas la chanteuse. Mais arrêtez les gars, c'est parce que je suis pas coiffée. Du coup, j'ai mis le bonnet. Tu me reprends ou pas? Ouais, je vais voir. Il y a encore des personnes qui attendent. Réfléchis bien. Réfléchis. Ça. Ah, il m'a tué, je te jure. Mange ta mère, grosse pute. Frère, elle a une voix de pucelle. Nouvelle, chou, je vais ce qu'il y a. Tellement qu'elle parle tout doucement, je vais m'endormir, frère. La vie de ma mère, puis ça sert à rien que je l'insulte. Bon, franchement, il y a une meuf dans mon live, là. Je fais un octogone, frère. Pauline. Quand tu craches sur des écrans, et dès là, tu craches sur les blancs. Je suis mort, c'est des fous. Et dès là, tu commences comme une chaîne de français, et après, tu craches sur les blancs. Les meilleurs lives, et tu devrais même pas dire d'avoir une fille, ma chérie. Tu devrais même pas dire d'être une mère de famille devant ma porte. Tu es où? Tout simplement, et là, tu montes à la caméra. Bon, Pauline, je sais pas ce que tu fous, frère, tu bug. Du coup, voilà. Aya, elle t'épargne, je crois. Ah, ben, qui me parle? Pauline? Ben, je sais pas, j'ai bugué. C'est de remonter. Du coup, ceux qui l'ont entendu en live, allez-y. Mais, non, Inès. Mais les gens sont dingues ce soir. Le retour d'Inès, les gars, ce soir. Il faut qu'elle relance le cœur. T'inquiète, moi, je suis touché. Ouais, qu'attends, c'est l'Inès qui passe. Tous, pardon. Putain, mais t'as bien raison. Attends, mais qu'est-ce qui se passe ce soir? Oh, on va chauffer des gays. Ah, mais je crois qu'on te connaît. Alina te connaît. On va chauffer de la bite, les mecs. Ah bon? Et ouais, elle a dit oh Inès. Oh, j'ai une vraie line-up. Attends, je vais voir s'il y a Florine. Ah ouais. Du coup, tu viens d'où? Je viens de Paris, toi. J'ai une vraie line-up, les gars. Ah, moi, je suis de Marseille. Marseille, ok. Sur son live. Oh, tu sais que c'est la première fois que j'ai une meuf en live. Ah ouais? Ah ouais. Ah. Du coup, voilà. Mmh. Tu travailles dans quoi? Je suis actrice porno. Ah ouais, je m'attendais pas à ça. Et oui. Je m'attendais pas à ça. Oh. Et du coup, ça te plaît? Ah bah oui, hein. Toute la journée, je suis des bites, donc bon. Écoute, ah oui, voilà, à défaut de manger. Et genre, ça te dégoûte pas un peu? Oh, non. Non, non, c'est agréable, tu sais. Ah ouais? Mmh. Bah, c'est comme un Kinder. D'accord. Mmh. C'est très sucré en bouche, très fondant, très chaud. Genre, t'as jamais voulu être en couple ou quoi? Non, c'est pas pour moi, ça. D'accord. Ton bonnet Chanel, c'est un faux, non? Non, c'est un vrai. Et du coup, bah, ça va alors. Mmh. Bah ouais. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Je suis préparatrice d'événements. Donc, en fait, je prépare les mariages, les anniversaires, les baptêmes et tout. Ah, c'est bien ça. Ouais. Ouais. Ouais, bon, ouais, qui est-ce qui m'insulte là de Trave? Parce que les gens, ils disent Trave. Tout à l'heure, les commentaires défilent. Ah, mais les gens sont dingues. Hein. Je vous encule un par un, bonne de merde. Je vous enchaîne. Je vous prends en sandwich. Je vous retourne. Je vous déglingue. Et je vous termine. Non, mais... C'est pas moi qui l'ai acheté, c'est mon bonnet. C'est ma mère qui a acheté mon bonnet. Mm. Non, mais j'ai... Oh, putain. Oh, là, là. Et d'ici, tu bosses demain? Bah là, je suis démaquillée, je me montre pas. Oh. Ouais, j'ai une grosse queue, je suis Ariel. Vous connaissez Ariel? La petite sirène, bah c'est moi. Je suis une femme avec une queue, voilà. C'est un rire de pige, ça, non? Ah, bah écoute. T'es une tieuse. La petite sirène. Oh,
putain. Ouais, elle est cool, ça va. Même si elle est un peu overpige. Bon, alors, qu'est-ce que tu recherches sur cette application assez étrange? En vrai, je t'explique. Connaissances, et après, on verra par la suite. Mm-hmm. Mmh, des connaissances. Du coup, voilà. T'es lesbienne? Ah non. Hétéro? Moi, je suis j'ai que des mecs dans ma vie. Non-binaire? Ah, hétérosexuel, alors. Voilà. Ok. Elle est trop forte en RP. Pas de femme, s'il vous plaît. J'ai rien contre les lesbiennes, hein, mais pas de femme. Moi non plus, hein. Ouais, moi, j'aime que la queue, de toute façon. Bon, bah, ça va, alors. Tu vas pas me draguer? Ouais, en fait, c'est des restes de sperme, Carrière. T'inquiète. J'ai sucé ton frère, ton père, ton grand-père. J'ai sucé toute ta famille, en fait. Donc, tu vois. T'arrives pas à suivre des messages, là. Non, mais hein, laisse tomber, hein, tous ces gens-là. Ouais, on prend l'arrivée d'une autre personne. Ouais, d'accord. Elle partira pas en égouelle, je pense pas. Elle est trop friendly, ça se voit. Ça va. Et t'as quel âge, du coup? 24 ans. Audrey, je te chie dans la bouche, sale pute. Traîner. Je te crache à la gueule, sale pute, va. Ah, on en était où, dis-moi? C'est quoi ce live ce soir? C'est la personne que j'ai. C'est l'intro, les gars, tranquille. On va s'échauffer sur d'autres personnes après. Les gens sont chauds. C'est que l'intro, les gars, tranquille. Non, désolé, moi, je couche pas avec les racailles de cité, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est l'argent. Moi, je prends l'argent. Si t'as pas argent, toi, nos argent, toi, pas me connaître. Hein. J'ai une question. Tu gagnes combien par mois? Ah, ça peut aller très. Voilà, on ne va pas parler d'argent ici. Hein. Tu sais, ici, il y a beaucoup de personnes qui vivent du RSA, on va dire. Donc, c'est un peu compliqué. Je ne voudrais pas voilà, qu'ils viennent me buter. Gros bisous, ma belle. Ciao. Merci pour cette prestation. Merci, Nesca. Elle m'a tué. Allez, au prochain, c'est qui ça? C'est quoi, c'est Gouinalou, là? Elle gagne un kebab et un RSA. Bon, allez, go. T'es encore là? Alors. Ouais, ouais. Non, pas elle. Fatoumata, 20 ans. Non, trop, ça va être trop violent pour elle. T'es en quoi, la Ternatina? Ouais, ouais. Attends, je te cherche un mec alors, du coup. Il y a une tête de gentil et j'aime bien quand c'est gentil et qu'en face il y a du répondant, j'aime bien aussi. Tu l'as trouvé ou pas? Casquette verte. Ouais, salut Johanna, salut Elodie. Mais non, Lideray. On lui met cher à Lideray ou pas, on lui dit? Ou il mérite pas? Pourquoi tu veux que je t'envoie MP? Déjà, monte en cam, Sophie. Faut que je vérifie ton identité. Hein. Bonsoir Audrey, ça va Elodie? Pour avoir un snap. Comment ça pour avoir un snap? Ouais, c'est bon. On termine Lideray, les gars, dans le chat. Il mérite un Lideray, hein. On est d'accord. Dommage pour lui, en plus il aime les chats et j'aime pas c'est terminer. Chat ou Love 66. J'aime pas terminer les mecs qui aiment les chats. Staff, alors que je te connais pas. J'aime pas les terminer, mais bon, il mérite. Je pense que ça va être le live, les gars. On les sub full gratos. Bah oui, j'en fais, voilà, c'est très rare que je fasse ça, les gars. Je vous le dis. Hein. C'est pas l'esprit de la USTV, mais des fois ça fait du bien. Après, ça va, c'est week-end, les gars. Je peux me permettre ou pas? Full gratos ou pas? Full gratos? Ça va être gratos. Olé, olé. Hola, hola. Arrête, Kevin. Salut. T'as des grosses narines, non? Surtout quand je fume. Ah, vous m'entendez? Quand je fume, j'ai des grosses narines. Oh, t'entends. Ça va, Pauline? Fils de pute de bicone merde.
Vous avez à dire ça? Eh, vas-y, toi. Vas-y, sniff, espèce de petite pute. Tu crois que j'ai pas vu que ta bouche? T'es en train de faire quoi, là? T'es en train de bouffer sur moi, espèce d'enculé, hein? Vas-y, va croquer tes morts ailleurs, toi. Puis tu te fais passer pour un gitan, t'as une tête de caloi, moi. Je suis pas gitan, moi. Je ferais la main qui aurait déjà longtemps que je passerais sur le cul de ta mère, espèce de fils de pute. Et je lui mettrais des doigts, cette grosse salope. Enfin, ferme ta gueule. Parce que je vais te, ouais, je vais te retrouver. C'est moi qui vais te buter en personne à Marseille, grosse pute. Tu vas te manger à 9 mm. Tu vas rien comprendre, fils de pute. Tu n'oses même pas montrer ta tête, Pauline. Tu n'oses même pas montrer ta tête. Donc, c'est facile de parler, pas montrer ta tête. C'est une des meilleures matchlines que, franchement, tu l'as tellement bien enchaîné. Tu peux monter si tu veux. J'ai du temps à te donner. Ouais, j'essaie que les réponses soient cohérentes. Ah ouais, mais c'était excellent. Attends, une autre, là, une autre. Ah putain, c'était bon. Lui, oh, ça va être tellement gratos. Salut Elodie, ça va? Vous allez bien? Salut. Monte direct, vite avant que... Ça va bien, tranquille. Il va vite déchanter son sourire, ou pas, les mecs dans le chat? Alors le week-end, c'est bon. Bien. Bientôt, ça va réouvrir. Vous êtes contents, hein? Bah, c'est la moindre des politesses, ça va. Je le mets en confiance, merci, les gars, dans le chat. C'est gentil. C'est très gentil. Bah, le sourire, c'est un pourboire qu'on donne aux gens. C'est la moindre des choses. Tu peux pas t'accueillir avec des grimaces. C'est trop violent. Il va vite déchanter. Il va arrêter de sourire ou pas? Prends ta gueule, fils de pédé. Ouais. Si je serais pédé, je serais comme... Les gars, provoque-moi pas, fils de pute. Parce que je vais te baiser ta mère. J'ai juste à dire au fixe ce que tu fais, espèce de pédophile. Tous les soirs sur un stream, sur un YouTube, en train de te masturber sur des mineurs, espèce de gros fils de pute. Fais gaffe. Joue pas avec moi. Parce que la tête de ma mère, je vais être la première à t'y mettre, grosse pute. Et si t'es pas content, tu baisses ta grand-mère. Et ben, je m'en bats les couilles. Espèce de pute, moi. Ah, espèce de fils de pute de ta grand-mère, de gros porc de mes couilles de ta grand-mère, la grosse chienne de Régis, de fils de pute de ta grand-mère, la chauve. Ah, la tête de ma mère, je vais faire un octogone replay, toi, sur ta graisse de foie gras. Vas-y, continue. Toi, ta gueule. J'ai pas changé, je t'emmerde, mais je serai toujours comme ça. J'en ai à la foutre que tu m'aimes ou tu m'aimes pas, je m'en bats les couilles. C'est toi qui paye mes courses, espèce de pédé. C'est toi qui paye mes factures, espèce de trou du cul de ta mère. C'est toi qui me fais à manger, c'est toi qui me fais le matin pour me torcher le cul, espèce de trou du cul. Là. Alors ferme ta gueule. Merci. Et si tu m'aimes pas, tu me regardes pas. Bah, je peux pas voir, t'es moche. T'es moche. C'est pas de ma faute. Eh, vas-y, toi. Vas-y, sniff, espèce de petite pute. Tu crois que j'ai pas vu que ta bouche? T'es en train de faire quoi, là? T'es en train de me faire quoi, espèce d'enculé? C'est pas de ma faute. Vas-y, va te croquer tes morts. Ta maman, elle t'a raté, c'est pas de ma faute. T'es passé pour un gitan, t'es une tête de cravate. Putain de bicote, sa grand-mère, la grosse pute, avec sa tête de cul d'octogone de jadis, là. Elle est folle. Et le jour qu'il y aura une guerre civile, pourra pas pleurer ta grand-mère quand ta mère, elle sera brûlée dans les flammes, la première. Sale pute, moi. Pauvre France. Laisse-moi parler. Je te laisse, il y a un défaut sur sa gueule, je te laisse trouver. Si tu arrives à le trouver, t'as un cerveau. Oh. Bah, je suis beau gosse, arrête, Pauline. Il est trop friendly, bon. Il me tue. Je m'aime pas, je m'en fous de ta vie. On dirait un comédien, on dirait un acteur. Les moyens de te payer les dents que j'ai. Ah, espèce de fils de pute de ta grand-mère, de gros porc de mes couilles, de ta grand-mère, de gros chien de Régis. T'es moche, ta maman, elle t'a raté. Elle t'a raté, ta maman. Ta maman, t'a raté. C'est comme les fils de pute de l'euro, je vais vous enchaîner tous pareil. Juste parle bien avec ta bouche, t'as vu. Ah, mais t'es vraiment moche. Oh là là, t'es moche, on dirait une citrouille, comment ça, putain. Pas espèce de petite bouche, je me fais insulter déjà que par mes têtes de cul. Oh, encore tu serais beau, je dirais pas le contraire, la tête de ma mère. Mais là, je suis en train de me faire tailler par des têtes de cul, frère. Oh, la tête de ma mère, encore t'aurais une gueule potable, je dirais pas. Mais chou, la gueule illettrée que t'as, cousin, t'as les sourcils en bas, t'as les yeux éclatés au sol, et t'es là et tu parles, espèce de trou du cul de ta mère. Alors quand tu seras dit de là, en train de me juger et en train de m'insulter, regarde déjà ta gueule. Juge pas, ah, vous voulez que je vous fasse tout à l'octogone ou ça se passe comment? Dans des raisons de mes couilles. Moi, je m'en parle les couilles, je suis pas suicidaire, je vous baisse tous. Je te baisse, t'es mort. T'as compris ou pas? Fermez votre gueule. Mais cassez-vous, frère. Simplement, il vient de me casser les couilles.
Zéro total. Je te parle un peu. Zéro total. T'as aucun argument, que des insultes. Il a raison. Ta maman, il tente bien. Raté, hein. Avec sa tête d'octogone de mes couilles. T'as pas vu ta tête, t'es 16-9e. C'est du match line. Il a des dents propres, hein. Vas-y, ma mère, je te fais du mal. Vas-y, continue, tu m'intéresses, elle est sympa ta vie. Vas-y, raconte-moi. Vas-y. Et moi, je fais même pas bizarre, crème d'agence. T'as pas d'argument, t'as raté ta vie, ma fille. Non, mais ça va, il lui tank, donc ça va. Heureusement, putain, sinon on aurait décroché. Qu'est-ce mais tu veux terminer ça alors que la nature, elle l'a déjà terminé, chou. Qu'est-ce que tu veux terminer ça alors qu'il est déjà terminé de lui-même, s'il te plaît. Tu veux terminer quoi? Va pas pleurer ta grand-mère parce ça que fait plaisir d'aller des mecs au moins équilibré un peu intelligent sur l'application. Okay. Je sais ce que t'es. Okay. Va t'inventer une vie ailleurs. Complexé. T'as pas un bide là où tu regrettes ou tu t'excuses? T'as fait pour la France, espèce de pute. Je te rappelle, t'as servi le pays. Oublie le France, un fils de pute que t'as mis le collier autour du cou. On attend. Putain, il y a un mec qui a coupé. Je me rappelle qu'à l'époque de la guerre, espèce de pute, t'as bien chuté les blancs, espèce de salope. Je me rappelle qu'en vérité, la tête de ma mère, t'as été un caniche royal en même temps qu'un tigre. C'est la femme qui parle à ta place. C'est ta grand-mère, la grosse chienne de tes mains. Enfin, ta gueule, reste un noir. C'est un soumis, ton mec. T'es soumis, tu parles même pas à côté de la femme. Soumis, esclave. Il parle à un homme avec de Pauline. Tu t'affiches même pas, t'es pas un homme. Je lui ai fait peur. Allez, reste caché. Il est trop débutant pour moi, t'as vu celui-là. Je suis désolé, t'as vu. C'est un soumis. C'est un esclave. Il est à côté, c'est une tapette. Tapette. Ah, j'adore. Il est bon, lui. Voilà, qu'est-ce que c'était long, j'aurais eu le temps de me mettre les doigts. C'est pas possible. Ça va? Bonsoir. Tu vas bien? Ah. Il me tue, lui, il est bon, lui. Hein. En plus, j'avais trouvé les bines d'excuses. Ah ouais, t'avais? Attends, je regarde. Inès, je te vois pas, je suis désolé. Si tu veux, tu redescends et je te refais remonter, ouais, bien, je remets le cœur. Oh là là. Je remets le cœur, hein. Okay. Ouais, lui, ça ne pense pas qu'on le voit, il est grave cool, hein. Alors, comment tu supprimes ça, comme ça? C'est le drapeau turc, ça, non? Voilà, j'ai remis le cœur. Easy. Et si c'est l'autre folle, je la bazarde. Bonsoir, Inès. Hello. Ça va? Je me montre pas parce que je suis démaquillée, vu que moi, j'ai beaucoup fait de chirurgie esthétique aussi. Je suis comme toi. T'es plastifié de partout, t'as des fausses dents. Et donc ouais, bon. Plastifié partout. J'ai pas 58 ans. Hein, c'est de la connerie. Ah, t'as quel âge, dis-moi? Bah, je suis plus jeune. J'ai mis 58 et j'ai mis des photos de mes ex parce que je suis pas là pour la drague. Je suis là pour discuter. Ah, et t'as quel âge, dis-moi? Il dort où, du coup? J'ai 48. Oh. Ah ouais. Attends, c'est que les dents, parce que j'avais les dents cassées et cigarettes. Bah bien sûr, t'as fait tes dents. Et quand je parlais comme ça, tu vois, ça me gênait et j'osais pas parler ouvertement. Non, mais là, t'as des belles dents, c'est bien, c'est important de se refaire les dents. Ah ouais, c'est un respect. C'est un respect. T'as payé combien? T'as été où? En Turquie. Ah ouais, voilà. Ouais. T'es turc? Hein. Ouais. Ah, ouais, donc t'as pas payé, quoi. Si, j'ai payé. T'as fait tes dents dans une cuisine en Turquie, quoi. Hein? Oui, t'as fait tes dents dans une cuisine en Turquie, quoi. Ouais, pour de la porcelaine, c'est pas mal, quoi. C'est ouais. Quand même une prix du Mercedes. Ah, ils ont cassé hein, des assiettes en porcelaine, ils te les ont mis sur les dents? Oh là là. Encore une qui veut jouer au carton. Oh là là. Vas-y, vas-y. Donne-moi, vas-y. Vas-y, j'adore ça. Non, pas du tout. Non, non, moi, je suis pas comme ça. Pourquoi tu dis ça? Non, mais t'as des dents synthétiques et t'as des dents porcelaine. Qui se rapproche plus des dents naturelles. T'as la céramique aussi, chérie. Hein. Bah, la céramique, c'est quoi? Oui, oh, porcelaine, si tu veux, oui. J'adore. Tout le monde me vénère, tout le monde me kiffe, chérie. Tout le monde me kiffe, tu me connais pas encore. Ah ouais? Attends, je vais voir les dents originelles. Si c'est dans le respect, il n'y a pas de problème. Mm-hmm. Oui, j'avale. Alors, non, qu'est-ce que tu recherches? Tu cherches pas de cure? Non, je suis déjà assez servi donc. Là, il y avait déjà la modif, les gars? Je suis assez servi donc. Attends, il a mis toutes ses ex? Tu fous de ma gueule? Je suis tranquille. Comment ça, t'es assez servi? Je croyais que t'étais célibataire.
Attends. Oui, je suis célibataire. Mais t'as de l'argent? Non, j'ai pas un rond. T'as pas un rond et tu te refais les dents. C'est bien ce que je disais. Donc, je reviens sur la phrase que j'ai dit bien avant. Tu as fait tes dents en Turquie dans une cuisine. Voilà. Merci. Voilà. Dossier clos. Et toi, t'es libanaise? Enveloppé. Envoyez, c'est eux. Envoyez, c'est pesé. T'es libanaise, sérieusement? Le drapeau, c'est le Liban? C'est quel... Je suis égyptienne, oui. Ah, monsieur. Ouais. FND. De quoi? FND. Non, moi, je parle français. Je suis née en France, je parle français. Excuse-moi, mais ah, bon. D'accord. Voilà. Tu fais beaucoup, tu fumes beaucoup, je trouve, pour des dents qui ont été refaites. Porcelaine. Bien sûr. T'as pas peur quand tu lâches des chattes de perdre une dent? Arrête, ça va. Bah quoi? Ça, gars, je suis tout seul là, arrête de parler des trucs comme ça. Arrête, ça c'est cruel. Ça t'excite. Bon. Tu veux un médecin? Non, merci, je passe. Pourtant, je suis toute refaite. Ouais, mais je suis toute chaude. Dommage, là, je ne suis pas maquillée, je t'aurais bien excitée. En plus, tu n'as pas fait sur ton live. Et est-ce que je peux te laisser mon snap ou pas? Non, merci. Je tu veux pas mon snap? Il tank, hein? Non. T'es sérieux, là? Bah, tu fais comme les autres, tu prends ton ticket, t'attends ton tour. Moi, je te dis, je suis servi. T'es sérieux, là? T'es sérieux, ouais, toi? T'as pas un rond et tu dis que t'es servi? Bah, demain, je fais un live, je suis à Paris, à l'hôtel Opéra, au 9e. Et j'ai été invité par une nana, elle me paye le week-end. Ah, oh, tu te fais payer des week-ends par des meufs? Ah, c'est un gigolo. Bah, je fais un live demain, il n'y a pas de problème. Je suis pas un menteur, je fais tout ce que tu veux, mais je suis pas un menteur. Ah, mais j'ai pas dit ça, mais bon, des filles qui payent pour toi. Enfin, je juge pas après, hein, mais bon. T'as une grosse queue? T'as une grosse butte? Quand t'as du respect, quand tu les prends pas pour des connes, tu dis toute la vérité. Ouais, mais moi, je suis transsexuelle, tu vois. Bah, donc, une transsexuelle, ça se payait toi aussi. Dommage, non, j'aurais bien vu que tu me déglingues. Ouais, une petite bite de turc. Enfin, une petite bite de turc avec des fausses dents en porcelaine. Je t'ai dit, tu prends ton ticket, t'as ton que tu me prennes dans ta cuisine, contre le comptoir. Non, merci. Oh. Lui, il doit pécho, l'une, non? À foison. Ah, c'est oui. Comme le poker. Je passe, je fais le tapis, allez, je dépose tout. Bah, moi aussi, je passe, connard. Il est rodé, c'est hein. C'est pas vulgaire, ça ne va pas. Plus d'arbre de mes couilles, d'arabe de mes couilles. Ah, encore un Pokémon. Ouais, c'est ça. Allez, allez, pas caca. Ah, c'est bon, il a pas tanké, allez, hop. On t'a assez écouté. Bon, allez, next. Attends, je vois. Ah, putain. Ah ouais, Arcusas? Il y a lui, les gars, mais il peut partir en égo ou pas? Avant-dernière intervention, après. Sorry, je vais aller dans... Tu viens d'où, Elodie? Elodie. Aix-en-Provence, pas loin de Marseille. Hein. Moi, c'est... Vas-y, vas-y, celui-là, vite, en première vis. Je viens du sud, tu vois. Mais c'est pas le sud de France, tu vois. C'est le sud de la Tunisie, où je vivais maintenant. Tous. On est du sud, tu vois. T'as vu que... T'es pas en France. Ouais, ouais, t'as raté, là, voilà. T'as trompé, là. Je suis pas en France, là. Je suis au sud du Tunisien, mince. On va voir s'il va à... il va hard skip, on va voir. Pas sûr, hein, les gars. Ah, tu veux dire quoi, là, Parmaz? Non, non, je suis tunisien. Je vis au sud de la Tunisie, tu vois. Pas loin de l'île de Djerba. Oh, t'as compris. Oh, espèce de fils de pute, ta grand-mère de mes couilles. Espèce de pute. Je prends comme ta grosse pute de merde. Voilà, t'es de folle. Dès la naissance, espèce de gros bâtard. Celle qui a connu la pipe en première. Avant moi, ce gros pipe. Attends, attends, attends. Attends, attends. Voilà, voilà. J'aime pas insulter les femmes, tu vois. Voilà, j'aime pas insulter les femmes d'un coup. Je respecte les femmes d'un coup. Je te reprends pas, tu vois. T'as des réflexes friendly aussi. Qui, et après, tu lui remets une attaque. Je te laisse. Vas-y, dis si tu veux et insulte comme tu veux, tu vois. Sympathise avec lui, désolé. Tu es une femme, je te respecte. Désolé. T'as vu, si je lui ai fait peur. Mais il est trop débutant pour moi, t'as vu celui-là. Moi, de toute façon, c'est pas bien. Qu'est-ce que tu fais là? Tu montes sur le cam et tu m'insultes. Et comme t'es une femme, je peux pas te répondre, tu vois. Je te respecte. Friendly, putain, si dommage. Ferme ta gueule.
de plaisir. Voilà, c'est nouveau, il y a du bizarre. Avec son petit Julie, non? Avec sa petite jupe de mort. Je vais dire une chose. Oh, oh, il y a des gens qui sont débiles. La vie de la mère, tu vas me provoquer, tu vas lui faire une cathédrale devant la tour Eiffel, frère. Espèce de pute. Oh, la tête de ma mère chauffe, lui aussi, là. Ce soir, il fallait qu'il vienne me casser des couilles, fils de pute. Mais non, j'en ai... C'est pas que j'aime pas, t'as vu, mais toi, t'as une barbe qui ressemble à rien, t'as pas de cheveux sur tes cou, et tu te permets d'ouvrir ta gueule, espèce de lavabo. C'est romantique, quand même. Ah, putain, tombe que sur des mots, ouais. Le castor de espèce de trou du cul, t'as vu? Parce que là, lui, c'est pas lui, c'est moi, là. Là, je t'en prends à moi, toi, parce que je vais te mettre un octogone, frère. Je vais te chibrer ta mère, toi, je vais t'apprendre à bien parler avec ta bouche, espèce de trou du cul. Je vais te laisser te parler parce que t'avais beaucoup de pression. Tu t'insultes comme un porc sur un réseau. Vas-y, parle, je vais t'exterminer comme une graisse sur un clavier. Et je vais comme une graisse franchement, réellement, ta barbe et tes poils de cul sur le front, faudrait déjà que t'arrives déjà à raser et t'épiler et après on en reparlera. Parce que je pense que. Ah, tu veux qu'on envoie Justine? Bah, Justine, tu la peux le voir facilement. C'est dans rencontre, Thibaut. Normalement, elle connaît l'appli. Hein. T'inquiète, Ludo. Mais voilà, elle est avec des fous, là. Voilà. Ouais, il a fait honneur aux Tunisiens. Les Tunisiens, sont, c'est les plus friendly des trois, les gars. Je réponds du bois d'un coup. Je réponds pas aux connasses, tu vois. Ah, il y a quand même un petit connasse qui est balancé, mais legit. Je ne suis pas ici pour faire des rencontres réelles, tu vois. Bah, non, pas celui-là. Non. Justine, on va la préserver pour un autre. Attends, pas celui-là. Lui, il va en voir. Je préchote déjà sa réaction. Il n'y a pas une meuf là où ce soit bien gratos qu'elle parte en égo comme la dernière fois, putain. Lui, il peut partir en égo, non? Oui, t'es cool, le mec. Je suis trop tenté, les gars, désolé, mais ça me tente trop. Je suis horrible. Par contre, Napo, t'arrêteras de faire monter tes frères sur l'application, hein, c'est chiant quand même. Ramène pas tes cousins non plus sur l'appli, gros. Bah, il mérite, les gars, il se prend pour un. Non, il mérite un peu, lui. Bon, bah, à toi le champ libre. Hein. Comment je suis chaud, t'as rêvé. Je crois que j'ai tout pris, ça. Bah, ouais. Alors, mon frère, j'ai juré, la tête de ma mère chouffe. Regardez la gueule qu'il a. À la vie de ma mère, j'ai juré, lui, il a pas besoin de cocaïne, il est déjà dark. Lui, la tête de ma mère, je sais. Pourquoi tu dis ça, menteuse? Autant qu'elle t'a fait les yeux comme ça, parle tu n'es pas mal séché. La vie de ma mère, j'ai dit, franchement, c'est romantique quand même. Ça déconne. Qui a fait ça? Qui dit que c'est pas toi qui l'a fait, ce que tu aimes bien? Quelle connerie, là. Monte ta tête, t'en vois pas, Pauline. Tu parles, mais tu te fais pas voir, Zarma. Tu te caches. En ta gueule. Et de plaisir. Mais non, mais... Ouais, cache-toi, il vaut mieux que tu te caches, je pense. En tête de ma grand-mère que je mets des coups de 12. Tu connais la Fianso, Sofiane? Tu connais pas? Fianso, coup de 12. Quoi? Comment l'eau? Ferme ta gueule! Et si t'es pas content, tu montes à la caméra ou tu fermes ta gueule, espèce de pédé de ta grand-mère. Arrête, ça, c'est ton raison. Ça sert à rien. Parce que je vais prendre ton mec, je vais te mettre des bas. Espèce de petit cul. Tu ressens les victimes du réseau. T'as bois, mais t'agis pas, sale cul. Comment tu parles, tête de cul? Ta pose-lui des questions. Là, tu le fais la zoulette, Zarma. T'es d'où, toi? Qu'est-ce que tu veux? Que je te découpe avec mon couteau? Viens. Je te découpe en petits morceaux. Ouais, je te découpe en petits morceaux. Après, je te fais cuire. Ou je te mets dans ma cave, je sais pas. T'as quel âge? Ou je te fais faire la pute, ou je sais pas. J'ai quel âge, moi? Ça te regarde pas? Je suis plus jeune que l'âge que j'ai 44 ans, espèce de gamine. Je suis sorti de la vingtaine ou la trentaine, je sais pas quoi. Moi j'ai 44, sa mère. Mais ouais, 44 ans. Tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi? Bon, allez. Parle plus fort, j'écoute pas avec ma musique. Tu veux te faire de l'argent, tu charbonnes comme tous les Français. Attends, je baisse un peu parce que je reprends. On va poser la question, ouais, ce qu'il fait dans la vie. De quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je travaille dans quoi? Dans l'automobile, la peinture. Pour ça va repartir, on insulte après. Je te repeins ta voiture en deux secondes. Mais c'est pas moi qui la peins, moi c'est moi. Moi je fais la peinture, je fais des trucs. Hey, il est sympa, faudrait le gars. Mais il y a un peu après, il y a un peintre, je lui donne. Le liquide, moi, peintre, il peint. Moi je lui donne le liquide, le peintre, il peint. Moi je fais les couleurs. Tu sais.
Et puis plein d'autres. Tu te rappelles quand je t'ai donné mon Snap ou pas? Ton quoi? Ton Snap? Ah, mais c'est toi là Pardon, qui. Non, sérieusement, t'as vu, je suis venue. Pas, c'est toi qui me réponds. Parce pas, qu'on m'a dit qu'apparemment. C'est toi qui m'a dit que c'est. On m'a dit qu'apparemment, tu parlais beaucoup sur moi. Je sais pas quoi, je t'ai J'aimerais savoir si c'est la vérité. Pardon? Ouais. T'as un redit, j'ai pas écouté du tout. Je t'ai pas écouté, je parlais en même temps que toi. Ouais. Tu peux redire ce que t'as dit, s'il te plaît? Pose-lui des questions. Eh ben, tais-toi, alors. Tu te rappelles quand je t'ai donné mon Snap ou pas? Oui. Si c'est toi que je te dis, je t'ai dit. Dis oui. Que c'est toi que je t'ai dit. Rentre dans le jeu là, focus. Oui. Et qu'en fait, tu l'as émis dès le début. Oui, encore. C'est toi ou pas? Oui, dis oui. Oh, je me rappelle plus, Zarma, j'ai parlé à plein de monde. Moi. Qu'est-ce que tu me parles, toi? J'en sais rien, moi. Ouais, ben alors, qu'est-ce que ça fait si tu m'as donné ton Snap? Et alors, ça fait quoi? Je m'en fous. Ça fait quoi que tu m'as donné ton Snap? De quoi? C'est toi qui me répondais pas ou quoi? Pas un rôle avec moi, par contre, ça va être. Tu vas le très cher après par la suite. Elle m'a pas répondu, Zarma. Il y a une fille, elle a été. Et je lui dis, ben, fais voir ta photo. T'es honnête, voyons. On voit pas ta tête, Zarma. On voit même pas ta tête. Je sais même pas t'es qui. Ben, monte ta tête et je te dirai si je t'ai déjà vu. C'est tout noir ton truc, je te vois pas. Qu'est-ce que t'es en train de faire là? C'est de l'harcèlement. C'est de l'harcèlement ou pas ce qu'il est en train de faire là? Là, c'est de l'harcèlement. Quel con, harcèle qui? Mais ferme ta gueule, toi, dégage de mon truc, espèce de con, qui j'harcèle qui? Elle est folle, elle. Casse-toi. On peut descendre de rien du tout. Moi, je dois te compter à personne ici, mais la vie de ma mère, tu vas commencer à arrêter de me casser les couilles, tout simplement, parce que l'harcèlement, ça commence à me saouler, tu comprends ou pas? Parce que la vie de ma mère, c'est bien ce que je vais faire maintenant. Tu vois, c'est facile de faire une tentative de suicide et je me filme et je me dis quoi? Et je te remets juste sur le dos, tout ça. Tu vois le délire ou pas? À qui tu parles, toi? Je te séquestre, tu parles à moi ou pas, toi? Et je te garantis tout de suite que j'irai très loin. À qui tu parles, toi? Un jour, il aura des problèmes avec les flics, ce mec-là. Bon, tu parles à faim ou pas? Tu parles à qui, je t'ai demandé? Ah, tu sais quoi, toi, un jour, la tête de ma mère, tu vas vraiment provoquer, mais la vie de ma mère, tu vas voir ce que je vais te faire. Bon, je vais aller au cœur parce que tu commences à me saouler encore. Je sais pas ce que tu cherches, toi, avec moi. Je sais pas ce que je t'ai fait, mon gars. Mais nique-toi, t'as dégagé de mon truc, toi. C'est moi qui. Je te promets que la tête de ma mère, en vérité, je vais lui faire un autogone. Mais nique-toi, tu n'y crains du tout, espèce de sale gamine de merde. Mais elle est folle, cette fille. Ça va? Ah, Juju, par contre, elle peut venir là-dessus. Hein. Mais oui, mais attends, moi, ça m'épuise, tous ces gens-là. Tu veux, toi, ça y est, toi, t'es à poil, toi, carrément. Ça te choque? T'es chaude, là? T'es chaude, tu veux que je vienne chez toi, m'occuper de toi? Oh, tu ferais ça? Je sais même pas d'où tu es. Il est en full peur, là, non? Je veux ça, Inès. Faut voir ta tête, au moins. Je peux pas, je suis démaquillée. Je suis démaquillée, je pense. Le fils, c'est beau naturel, c'est pas. Non, moi, je suis une salope. Une salope se maquille tout le temps. Ah, on fait un reveal? On fait un reveal ou pas? J'habite à Paris 14e et toi? Putain, merde, ça fait loin. Moi, je suis Clermont-Ferrand. Ah oui? Je suis Massif Central, tu sais, centre de la France, quoi. Mm-hmm. Moi, tu fais quoi dans la vie? J'ai pas envie de venir, ça fait trop loin. Tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce qu'il fait? Il marmonne ou quoi? Tu fais quoi dans la vie? Plein de trucs. Me fais pas répéter 4 fois la même question. Je m'amuse. C'est pas vrai. Enfin, avant, j'étais dans l'automobile. Ton travail! J'ai dit ça. J'ai travaillé pendant 15 ans. Maintenant, je travaille plus. Et pas pendant que 15 ans. J'ai travaillé pendant longtemps. Depuis 16 ans, je travaille. Tu travailles tout le temps. Mais ça fait 3 ans que je travaille plus. Maintenant, je profite. Tu travailles dans quoi? Je travaille plus, je t'ai dit. Je profite. Oh merde, je me suis montré démaquillée. J'ai 44 ans. Moi, j'ai travaillé depuis 16 ans. J'ai tout le temps travaillé. Elle était exclue, merde! Putain, mais le bot, il est violent dès que tu vois des nibas. Merde, on a raté le reveal, pas grave. Ouais. Banette by Lovo, ouais. Est-ce que tu peux remonter? Le bot, il est chiant. Ok, relance le cœur, après, ce sera ma dernière intervention. Ok. Ouais, c'est pas que je... Non, c'est pas tu la je rigole. Je demande. Je sais pas comment il fait le bot parce que direct il est moi pareil j'ai c'est même pas des signalements hein. C'est le bot hein. En fait tu montres autre chose qu'un visage je crois qu'il y a des formes je sais pas. Je comprends pas. Du coup on est rien à ce truc de merde, on sait le cœur, faut plus haut. Il me dérange dans ma zik, faut me dire des trucs. Allez Napo là. Je prends les appareils moi. Relance le cœur, mais je l'ai relancé 15 fois.
C'est bon là? Vas-y, essaye de monter. Non, toujours pas. Il est perdu, je crois. Collage. Mais c'est pas relancé un cœur. Attends, il y a personne qui perd. Ah, il y a Justine qui a monté. Justine, tout est détaillé, ça. Sinon, t'inquiète, hein, si tu veux partir. Il n'arrive pas à relancer le cœur. Ouais, là, j'ai fait durable. Ok, bah merci, Dicon. On se devote demain ou après-demain. Ouais, pas de soucis, hein. Bonne soirée, bon live. Et encore merci hein, pour tout à l'heure. T'inquiète, pas de problème. On va pas baisser nos caleçons. Je crois qu'il comprend rien, le mec. Hein. Il est chaud en rap ou c'est claqué là? Il tue que c'est barbare, ils ont fait une chanson, elle tue ça, merde. C'est qui ton rappeur préféré? C'est un peu sauvage, quoi. Je préfère Eminem, Dawzy, ZKR, tu sens rien. On monte normal. Bah ouais, monte, mais je sais pas comment faut faire pour monter. Je sais pas où il faut appuyer, dit. Marxy, je connais pas ce truc. Je connais pas ce site de machin. C'est une copine qui me l'a mis. Ah, le bleu cœur. Où? En bas, là, le cœur rouge. Eh bien, je fais qu'appuyer depuis tout à l'heure. Le carreau. Vas-y, ça marche pas. Non, mais il est perdu ou quoi? Il est con ou quoi? Ah, le truc là. Je peux pas terminer le truc, c'est pas ça. Annuler. Ce qu'il me dit, le cœur. Enlève le mode rampant. Où? Faut appuyer où? Sur quoi? Sur le cœur rouge, à gauche? Les filles, conseillez-lui. Il faut faire quoi? La croix en haut à droite. Next. Quoi alors, Blender? Je vais faire des rencontres. Oh, il est perdex! Comment on a joué de rencontre? Ça, GS, machin. L'alcool, ça rend pas intelligent. C'est sûr qu'il est, il a mis l'alcool là, c'est sûr. En haut. Où en haut? Ouais, Zarma, mon téléphone, et ben en haut, je vois pas. En haut à gauche, j'ai mis un coup de poing dedans. Et il est éclaté. Donc, attends, je vais appuyer quand même. Voir. Alors, 2, 5, 7, 5, 6, 7, 5, aucun. Aucun JTR pour le moment, c'est quoi ce bordel là? Il n'y a pas de mode rencontre avec ce site. T'as un appôt, fais un effort là. Bloc pas en haut. Ouais, bah j'ai déjà appuyé dessus, voilà. Mais terminé le jeu, j'ai terminé le jeu, je sais. Voilà, enfin. Oh, ouais. Oh là, mais j'ai cru que j'allais m'effacer. C'est pour ça que je l'ai pas fait depuis tout à l'heure. Ouah, Zarma. Oh le con. T'as pas capté qu'il tape. Je connais pas les drogues, Ukan, donc je peux pas savoir. Oh, d'accord, okay. Avec sa pipe en direct. Bon, d'accord, j'avais rien compris. Il tire une taf. Personne m'explique aussi, tu sais. C'est un craqué, lui. Je comprends, moi. Enfin, je sais pas, je comprends tout, mais c'est ce truc, je comprends. Je m'en fous de ce machin. Voilà. Inès a ajouté Fabien. Parce que moi, en plus, tu sais quoi, j'écris pas. Je demande tout le temps à monter aux gens. J'ai pas envie d'écrire, tu sais, c'est relou d'écrire. Je parle, moi, tu sais. Mais je dis bonjour avant, tu sais. Salut, ça va bien. Je peux parler. Il faut le dire ou cliquer, Justine. Ceux qui sont sympas, je parle avec. Ceux qui sont les têtes de con, bah, je parle pas avec eux. Je les insulte. Il va se faire chauffer par Inès et Justine. J'essaie de partir vite parce que je m'énerve trop vite. Alors je l'ai fait. C'est méga. Alors je l'ai fait. Je l'ai fait. Lumière. C'est donc comme l'île de beauté. T'as déjà été à l'île de beauté? Moi j'y étais, c'est pas mal. T'es sur plein d'îles, moi. Mais ça n'a aucun sens ce qu'il dit, les gars. Ah, c'est pas vrai. J'étais qu'en Espagne. Plein de fois. Avec mon camping-car, j'avais des camtars, j'avais plein de... ouais, des bonnes voitures. J'étais... Je kiffe l'Espagne. C'est un brava, t'as quelque chose. Jusqu'à Barcelone, après ça, tu... De toute façon, j'étais tout en bas, j'étais à Malaga, j'étais partout. Ça bique pas vraiment dans les Tchéka. T'as un gros bonnet, je suis une grosse cargoule, moi. T'as un gros bonnet, je suis une grosse cargoule, moi. Cargoule. Cargoule, capuché, caché, masqué. Mais il est con, quoi. Attends, bien, guidez-le, les gars, c'est quoi, comme ça, je lui dis. C'est une capuche. Faut qu'il fasse quoi, là, pour accéder sur le plus? T'es refait. Non, je déconne. Ouais, c'est pas vrai, je déconne. Ouais, sinon, Goku, hein. Ouais. Écoutez-moi pas, quoi. Des bêtises. Oh, t'as vu ma grosse cartouche? Imagine, j'ai le fusil qui va avec cette cartouche. Imagine, le terre dessus, t'es pulvérisé. Il reste que des petites particules de toi. T'as vu?
une cartouche gros combien? Combien de matchs d'une tête? Calibre, combien c'est marqué? Calibre combien? Mais je me rappelle plus. Un calibre. Oh, je sais même plus le calibre combien ça. Calibre 16, 3 étoiles. Particule. Ah. La bande de cons, j'ai un porte-clope. Ah, il y en a plein qui y croient, voilà. Parce que j'ai fait des cigarettes. Ce qu'il a mis avec son porte-clope? Me dis pas qu'il a mis que des roulés dedans, quoi. J'ai d'autres, mais j'ai pas celui-ci, c'est pas vrai. C'est un porte-clope. Une cartouche comme ça, c'est impossible. Normalement, j'ai fait l'armée, je connais les armes, du coup, je tire à plein de trucs. La grosse mitrailleuse de dingue, il y a plein de trucs. On lance un truc requête là sur la FAMAS, ça tu tires des requêtes. Ça, des requêtes. Qu'est-ce qu'il raconte? J'ai envie de le terminer, putain! Ça pète dedans et ça brûle tout. Ça perce un char. La requête que tu mets sur ton. Son cerveau, il faut le consécuter. Un FAMAS, ça s'appelle. Putain, mais Napo, tes collègues là, dis-leur de reprendre. Des requêtes anti-char. De reprendre en main leur brain, quoi. Il se passe quoi? Tous tes collègues sont comme ça? Napo, sérieux, quoi. Putain de coup d'état dans ma cité. Bah. Et vous avez des amis comme ça, IRL? C'est-à-dire des mecs un peu craqués, qui viennent en soirée, vous comprenez rien, ils articulent jamais? Non, moi, mon fils, il vendra déjà mon fils, regarde, si j'avais ça, c'est... Genre c'est qu'il débite que des conneries, quoi. C'est une balle, elle traverse le mur. Elle traverse le mur. C'est exprès, une transperçante. Bah, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui... Hein. Non, alhamdoulilah. Respecte-nous, s'il te plaît, Riri. Nope, ok, je pensais. Moi j'en connais un qui était comme ça sur CS, un peu, voilà, qui était très porté par... C'est pas vrai. Putain, c'est dommage, comme ça, c'est dommage, je voulais mettre Justine en frontal sur lui là, ça aurait été tellement drôle, mais pff, vas-y, ça sert à rien, vas-y, on va aller chercher ailleurs. Il est finito lui. Un reveal. Bonsoir Elodie. Bonsoir. Comment vas-tu, Elodie? Je viens juste de lancer le live. Ça va, tranquillement. Salut, Justine. Comment allez-vous? Tu viens d'où, Elodie? Ça va, merci, Justine. Tu viens d'où, Justine, aussi? Bonjour, Audrey. Audrey sans photo. Salut, Audrey. Putain. Du sud? Ah ouais? Tu viens d'où, du sud? Tu viens d'où, Audrey? Aix-en-Provence d'or. Ok. Je suis de Montpellier, moi. Montpellier. Ah, commencez pas les compliments, vous allez me gêner, là. J'ai commencé à faire des lives sur le côté, comme ça, là. Ouais, les gars, c'est le mec d'hier. Et Justine de Paris, ok. Ça roule. J'ai de la famille à Paris aussi, Justine. Salut. Bonsoir, Justine. Celui que j'ai envoyé la photo de la chatoune, là. Bien, toi? Ouais, super. Toi, je t'ai pas demandé, tu viens d'où? Montpellier. Ah ouais, j'ai déjà été travailler là-bas. Ah ouais? Travailler dans quoi? Non. Je suis pute de luxe, enfin, je suis escorte. Quoi? Il a bugué. Pourquoi tu fais un blanc comme ça? Enfin, je sais pas, c'est un métier comme un autre. Bah, écoute. Oui, c'est un métier comme un autre, mais on me l'avait jamais sorti. Bah, si, pourtant, il en existe plein. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais j'ai jamais de ma vie. J'ai 28 ans. T'as quel âge, Justine? J'ai 23 ans. Ok. 28 ans. Jamais de ma vie. J'ai dit, salut, tu fais quoi dans la vie? On m'a dit, je suis escorte. Jamais. Ça m'est jamais arrivé. Donc, moi, je vais pas te dire, je suis infirmière alors que je suis escorte. Ouais, arrête d'écrire des conneries dans le chat, là, sinon je te théo. Non, mais je te remercie de ton honnêteté. Mais excuse-moi pour le blanc, c'est. Le temps que je me dise, elle a bien dit ça, est-ce que je comprenne et tout. Tu sais, il s'est passé quelques secondes, excuse-moi. Pas mal la rondelle de fumée. Relance le cœur. Oh oui.
Oh oui. Attends, il a pas fait le truc des entiers là? Oh, Je crois qu'il l'a fait. Hein. Glandeur. Alors déjà, moi, je prends personne. Le petit coup de langue. C'est oh, oui. Les gens qui me prennent. Et puis c'est pas ma faute, frère. T'as qu'à faire des lives, frère. Écoute, elles viendront sur ton live. Et... Stéphane Blanc pour toi, non mais grosse blague. Tu sais que les noirs c'est ceux qui ont les plus grosses bites, hein, donc franchement c'est les meilleurs roulis, on va pas se mentir. Aïe. Et ouais. Moi je préfère 100 fois baiser avec un blanc qu'avec un noir qu'avec un blanc. Hein. Un petit reveal trans, ça serait pas mal aussi, j'aime bien. Et même l'ambiance, je crois que c'est mieux, non? Ouais. C'est beaucoup beaucoup mieux. Ah, tu me choques. Coupe gang ou quoi? Est-ce que tu pourrais sortir avec une escorte? Une meuf qui est escorte, genre, est-ce que tu pourrais sortir avec? Mais pas du tout. Genre, jamais tu pourrais sortir avec une meuf qui est escorte. Sortir genre en couple? Genre, je suis en couple avec elle? Ouais. Mais jamais de la vie, tu veux que je te... Mais genre, même si la meuf, genre, elle couche pas avec ses clients, genre, juste elle les accompagne au resto et tout et tout. Tu vois, regarde, tu vois, là, ça fait pas longtemps que j'ai mes locks, tu vois, j'ai pas envie de les perdre. Tu vois, les pieds, elles sont là, c'est en train de pousser. J'ai pas de cheveux blancs encore, tu vois. J'ai 28 ans, j'ai pas de cheveux blancs. Laisse-moi tranquille. Mais j'ai pas envie de me faire du souci, nanani. Non. J'accepte pas. Du coup, tu veux pas être mon client. Pardon ? Tu veux pas être mon client. Alors, déjà, moi, je ne peux pas. Déjà. Pour commencer. Ah, mais il faut que je dure plus longtemps, là, les trucs de mort, là. Alors, pour commencer, on va prendre un vas-y, monte en normal, comme ça. Elodie. Il a pas qu'à écrire, les gars. Je t'ai pas oublié, Elodie. T'inquiète. Bon, est-ce que j'envoie Justine en frontal sur le gars, là. T'inquiète, je t'ai pas oublié, Elodie. Ouais, du coup, je t'ai dit, tu veux pas... Tu voudras jamais de moi, en fait, du coup. Parce que moi, je te demande pas. Est-ce que j'envoie un cam, Elodie, avec le mec, là, le full perv, parce qu'elle a dit qu'elle veut du perv. Snoopy, arrête de faire des bêtises, merci. Alors, merci, c'est gentil, ton petit coup. Le puceau. Et Attends, je vais poser le téléphone parce que j'ai mal au bras, là. Oh, cet écho. On enregistre tout, là. Non, pourquoi? J'enregistre rien. La vie de ma mère, j'enregistre rien. Espèce de blonde, mais une vraie blonde. Mais une vraie... Oh, mais la vraie blonde. Non, mais la vie de ma mère. Ah, putain. Je te jure, j'enregistre pas. C'est juste que, en fait, genre, je suis en vocal avec mes copines, genre, c'est tout. Mais y a rien. Je te jure, ça a juste fait un retour de son, mais genre y'a rien. Je te jure, j'enregistre pas, je fais une salope, ça va. Je suis une pute dans la vraie vie, mais qu'avec les mecs, tu vois. Enfin, pas avec toi. Bref, arrête de mélanger là. Mais je te jure, je t'enregistre pas. La tête de ma mère, je t'enregistre pas. Je préfère parler avec toi par exemple. De toute façon, j'ai coupé là. Mais j'ai posé mon téléphone en fait sur le truc, ça a bugué, c'est tout. T'es loin, non, ouais, je sais. Non, mais c'est pas possible, hein. C'est pas un chat, c'est un démon. Yes, non, mais sinon, du coup, ouais, si je viens sur Montpellier, il y a moyen de date, non, au moins un date. Parce qu'en vrai, j'ai une copine, elle habite à Montpellier. Non? Non, je te recale direct. Pourquoi? T'as un problème contre les blanches? Ouais. Sérieux? T'es raciste envers les blancs? Toi, fais gaffe. C'était cute, ouais, c'était mignon. T'as un problème, pourquoi? Super mimes. En fait, je crains que tu es un petit peu folle. Et en fait... Mais pas du tout. Si, elle est folle. Si, non, si, t'as raison. Elle est folle. Bien sûr qu'elle est un peu folle. Tiens, je crois en Dieu et tout, les esprits et tout. Et franchement, je pense que toi, t'es possédé. Possédé par un putain de jam, donc du coup, je vais me tenir le plus loin de toi, je me porterai bien.
Mais rien à voir, je suis pas possédée par le diable en fait. Tu me fais peur, je vais me faire exorcismer. Exorcismer. Mais je suis pas possédée par le diable. Débusqué. Tu sais que dans le jargon, hein, dans le jargon de chez nous, genre, tu sais comment ils m'appellent les hommes? Ils m'appellent Médusa. Et je peux savoir pourquoi ou pas? Et je suis le diable en personne. Parce que Médusa, c'était en gros, c'était une enfin, je sais pas si c'est vraiment une apôtre ou une déesse. Ah, ma copine Inès, elle, c'est une copine de travail. Alors, bonsoir Inès. Tu vas bien? Bien, vous? D'accord. Oh, il fait tellement chaud ce soir. C'est chaud, hein? Hey, moi j'adore le noir. Il est pas mal, non? Il est tarpin beau. Franchement, on pourrait le prendre à deux celui-là. Ouais. Il y a un problème sur mon écran ou je suis en train de rêver là ou c'est comment? Tu es circoncis ou pas? Non. Oh. Il est posé, je le kiffe. Le renard, je le kiffe. Pas ouf, hein, pas ouf. Mais c'est pas grave, on peut faire une exception pour toi. On est propre, non, t'inquiète. Elle mesure combien? Elle est pas grande. Elle est pas grande. Bien épaisse. Et t'es de quelle origine? Martinique, Martinique, je te l'ai dit. Hein. Ouh, c'est les meilleurs, ceux-là. Oh, oh, oh. Ils ont des bons coups de rein. Yeah, yeah, yeah. Ouais, ouais, le déhanché et tout déjà. Miam, miam. Mais putain, attends, elles sortent de tout ce soir. Ça leur avait manqué, ça faisait longtemps que je les avais pas vues. Elles sont en train de t'enchaîner là. J'aimerais qu'ils me fassent du scala. Mais elles se libèrent de ouf. J'ai fait la vie, je lui sucerai la bite comme jamais. Oh, je te jure. Vous êtes pas un peu malade? Je crois que vous avez des problèmes. Non, tout va bien, 37,2. En fait, c'est toi qui penses qu'on est génial alors qu'on n'est pas genouillé du tout. Hein. Attends, mais du chaud. La Bible, je vais chercher ma Bible. Faut que je fasse quelques prières là parce que je vois pas là. Oui, je pense que tu vas en avoir besoin. Ouais, vraiment, parce que là. Putain, qu'est-ce qui me fait bander à mouiller. Jésus, le fils de mes entrailles. Je vais couper. Vous voyez la main de Jésus. Oh putain, je sais c'est pas. Devenu ton oreille est devenue trop pesante pour l'entendre. Non, sauvez-vous cette séparation non de votre. Non, arrête. Arrête. Ah là, il y a le démon qui veut sortir de mon corps. Moi aussi, là. Ah, je vais aller baiser le prêtre qui est à côté dans l'église parce que. Moi, je prends le pasteur. Et Samuel servait devant Jéhovah comme un garçon saint. Tu peux arrêter là, tu m'angoisses. Non, mais là, là. Là, je donne mot. Exorcise maman, s'il te plaît. Ah. Bien, boulette. Bon, sinon revenons-en aux choses sérieuses là. Tu cherches quoi sur cette application? Une chrétienne. Il est énorme ce décor là, Garci. Merci Sofiane, mais profite des belles images là. Je crois que j'ai mis le barème un peu trop. Tu veux monter, Elodie, monte, il n'y a pas de souci, on les tacle. Hein. Ouais, mais moi aussi je vais mouiller. Je crois que j'ai mis le barème un peu trop. Pourquoi? Ah bah moi aussi j'ai mis le barème un peu trop. Pourquoi tu dis ça? Ce qui me tue, c'est Inès, elle fait son attaque de Nibar après direct, c'est furtif. Alors, c'est excellent. Essaye de pas tout. Hein? Je cherche une vierge, je suis vierge du signe astrologique. La seule. Ah! Merde, heureusement qu'on peut. Attends, moi! Bah, moi je suis pas vierge du si tout. J'y vais, les gars, j'y vais en. Ni de la bouche. Mon seul RP qui me reste, les gars, pour faire passer pour une meuf, c'est ça. Bon bah, qu'il en soit ainsi. Où est-ce que... Pourquoi tu veux savoir d'où je viens? Je suis à côté de Montpellier. C'est moi la copine de Montpellier en question, en fait. Bon bah...
Que je monte. Vas-y, quoi, tu veux qu'on te suce? Vas-y, venez me sucer. Ah, là, c'est intéressant. Ah, là, ça nous intéresse quand tu parles comme ça, tu vois. En plus, je viens de mettre du gloss là, ça glisse bien au moins, tu vois. Je vais faire sauter un compte. Salut Anissa, sors-moi de ce bourbier, je suis dans les prises de l'enfer. Mais non, elle a un... Oh, bon. Oui, elle va t'aider, effectivement, elle va plutôt t'enfoncer avec son poids. Oups, excusez-moi. C'est moi Anissa, les gars. Il va regretter ou pas? Je ne suis pas grossophobe, je suis pulpeuse. Franchement, Inès, c'est pas bien. Mais non. Oh, mais j'y fais fait. Pourquoi tu l'enlèves? C'est pas bien, moi je supporte pas. Mais pourquoi? C'est pas bien ce qu'elle a dit. Mais elle a rien dit de méchant, oh là là. T'es pas très gentil, hein. Ouais. Tu veux viens, pas que je te va te détendre? Ouais, vas-y, viens. Tu vois, tu changes d'avis, hein. Non, t'inquiète. Je sais ce que je veux, ma petite. Tu penses toujours que je suis mounée ou pas? Parce que moi, je trouve que franchement, je suis pas une meuf mounée, t'as vu. Ouais, je pense que vous êtes mounée plus que... Plus que... Tiens, t'as dit... Salut, Juan. Bonjour. Oh, t'es jolie. Oui. Vas-y, mets-toi des doigts, mets-toi des doigts. Alors... Oh... Oh oui. Manchester, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, les gens? Qu'est-ce qui s'est passé? Elodie, t'es toujours là? C'est encore moi. Oui, oui. Ils sont chelous. Tu peux m'expliquer Tu veux monter, on parle. Si je monte, il va être dégoûté. Je pense que c'était bizarre. Hein. Bon, bah on y va en Elodie, mais... Ah ouais, mais merde, faut pas que je prenne le... Ah, mais bon, si on je monte en cam, je peux faire sauter le compte. Donc il y a les écritures simples qui me... Bon, j'espère que ça va être un petit ban. Partout où je vais. Hein. Bon, bah go, hein. Ça part en Elodie. Hein. Attendez, faut que je me reconnecte en... C'était bizarre de ouf. Je suis pute de lit que ça l'a dit. Et l'autre, elle était à poil dans le lit. Non, t'habille pas, t'inquiète pas, ça y est. Non, pas jamais, Riville. Ça y est, là, avec tout ce que j'ai vu, là, c'est bon. Je crois que ce soir... T'inquiète, avec moi, ça ira. Waouh! Il va pas tant qu'on passage. Il va faire plus. Viens me rassurer, s'il te plaît. Montre-moi qu'il n'y a pas que des folles sur ce putain, sur cette putain d'application. Bon bah. Ça va être showtime. Attends, hop, déconnexion. On va se connecter sur l'autre, comme ça pensera pas. Oh le pauvre, il est pas prêt. Oh, il est pas prêt. Oh putain. Il va grave avoir peur. Il va perdre toute confiance. Et c'est ça qui est bon, les gars, non? C'est ça, c'est des belles images. Oh, j'espère qu'on compte, il a pas été... Ouais, non, ça va. J'ai raté le regard, il est violent le regard. Des gens fous sur ce vous.
Bien joué, Justine hein, et Inès. Hein, franchement, vous êtes trop fortes. Il va jamais tanker, les gars, non? Je remets une chatte en frontale ou... Ou alors je parle avec une voix de meuf et je refais un reveal. Chatte en frontale ou voix de meuf? T'imagines mes gars là? Tu vois là où il a mis son doigt là tout à l'heure, Elodie là? Tu te rends compte de ce qu'il fait avec ça là? Ça craint, franchement, il y a des gens fous sur l'eau, vous voyez. Refais ton rire de taré. Direct. Alexia, je sais pas qui c'est. Je sais pas qui tu es. Et je reste avec personne. Mais je suis avec des crasseuses. Hein. Bon, allez, pas de chatoune en frontal, sinon on va. Elodie, c'est une crasseuse. Gilou. Ok, bah Gilou alors. Toi aussi, t'es une crasseuse. Si Elodie, c'est une crasseuse, toi aussi, c'est une crasseuse. Axel ? Mais j'ai rien. J'ai rien, j'ai que Inès. Allô? Allô? Tu m'entends? Oui. Tu m'entends quoi? Je t'entends. Ah. Comment vas-tu? C'est bien. Ouais, c'est chaud. Ouais, déjà, ils sont... Salut Rebecca, Berica. Ouais, déjà, ils sont trop chauds. Franchement... Ah, oh, putain. Il y a une chaîne YouTube. C'est un mec qui filme sur YouTube. Ah, oh, putain. Il est trop fou. C'est un Palestinien qui est en galère... J'allais dire d'argent, mais vu son poids, non, il n'est pas en galère d'argent. Mais je crois qu'il a des problèmes. Tu peux me donner le nom de sa chaîne YouTube, s'il te plaît, Berica? On va assister à ça. Comment tu sais, Léa? Ah, mais Léa est égale à Alexia. Ah, je t'ai dit que je t'avais débloqué, wesh. T'as combien de comptes Mais... T'as vu Léa? Je suis connu comme ça. Un jour, je me fais reconnaître dans la rue par des Lovos, non? Non, mais là, c'est des gens de Lovos, c'est pas des... Là, ça se voit que c'est une meuf. Franchement, il m'a fait rire. La première fois, il m'a fait rire. La deuxième fois, il est dégueulasse. D'accord, bah c'est cool, c'est rigolo. Hein. C'est Master Snaku la chaîne. Master ok, j'enlève. Ok, okay je regarderai. Oh là, la première fois, il m'a fait rire. Mais la deuxième fois, là, quand il a commencé à cracher et tout, là. Quand il commençait à cracher sur son téton et tout, là, sur dégueulasse. Il a craché, c'était jaune. C'était tout jaune. Franchement, c'est dégueulasse. Après, il est con. Hein. Mais ça me fait plaisir parce que je vois qu'il y a des gens encore plus fous que moi. Encore plus fous que moi et que Léa. Ça veut dire qu'il y a vraiment des fous sur Terre. En fait, je me dis que je suis pas si fou que ça, en fait. En vérité, je comprends pourquoi les gens, maintenant, ils commencent à me kiffer et tout. Parce que je suis un mec plutôt cool, quand même. Et pas trop fou. Dites-lui, les gars, les stalkers, d'aller regarder ma chaîne. Mets le screen, moi, je me rappellerai. D'aller sur Master Snaku, les gars, dites-lui.
Dites-lui, les gars. Merci. Ah merde, Ezor. Il a pas un deuxième tel. Merci, Cassoulin. Crachat radioactif. Et encore merci, Léa. Léa, d'être là, d'être toi. Ah putain. Putain, on voit que la meuf, ça fait 28 ans qu'elle est sur l'OVU. Elle connaît tout. Attends, je regarde les... ce qu'il m'a dit tout à l'heure, le gars. Attendez. Elodie. Oh, franchement, c'était un délire. C'était un délire. Tant mieux, ça veut dire que Juan, s'il commence à faire des blagues à Juan, ça veut dire que Juan, il commence à monter dans les têtes de liste. Ça veut dire que, en fait, mon ascension, en fait, elle fait que grandir comme ça. Je suis en train de monter, tu vois. C'est cool. C'est cool. Mais non, il m'a donné son numéro de téléphone là, personnel, le gars. Malgré que... Je me suis excusé. Mais bon. Peut-être que des excuses, tu t'en bats les couilles. Peut-être que les excuses, à l'heure d'aujourd'hui, tu t'en bats les couilles. Et que tu voudrais simplement... Putain, je suis mort, quoi. Avoir ton statut. Non, c'est incroyable. Allez, à... Ah ouais, je trouve que j'étais un peu fort. C'est elle, la stalkeuse? Allô? Oui. Bonsoir. Salut. Écris vite fait dans le chat. Non, non, Sofiane, toi. J'ai vu, merci. Pas à vol. Mais de rien. Mais pourquoi ils font ça, les... Ça, c'est typiquement martiniquais, ça, non? C'est une chance. Je te laisse une seconde chance, la nique pas. Du coup, je suppose que Emma, elle a plus de chance. Ouais, elle a plus de chance. Eh ben, c'est Blanche. J'en suis sûr, sûr. Tu sais qu'elle, par contre, je vais la kick parce que moi, je l'avais pas kick, t'as raconté que de la merde. Ça veut dire que elle, là, je vais vraiment la kick et tu peux rien dire parce que c'est de ta faute. C'est toi qui as merdé, t'as fait le con. Si, 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 si. Si, si. Allez, on décroche. Putain, c'était excellent, quoi. Ouais, ouais, il m'a donné son numéro de téléphone, les gars. Genre, si j'ai reçu des... Non, ça va. Ouf. Oh, putain. Oh, c'était incroyable. J'ai un peur, mais... attends, est-ce qu'on le fait ou pas, les gars? Il veut un cam to cam. Il veut un cam to cam. Attends, je vais voir s'il est là. Tu es dispo. Non, mais Didix, on peut pas faire ça, les gars. Il a l'air d'être heureux de me connaître. J'envoie Inès alors, hein, pour tanker ça. Hein. Attends, mais comment on fait pour cam? Attends. Cam privé, ça marchera pas, je pourrais pas le diffuser du coup. Tu lances un live, tu lances un live, et je monte. Comme ça, je file le compte à Inès et elle monte. Non, mais en gros, il faut qu'il lance un live public, parce qu'en fait, en live privé, le problème, c'est que là, on pourra pas voir, en fait. Tu me dis quand tu as lancé. Putain, putain, ce soir, il s'est passé des choses, les mecs, hein. C'est juste fou. Non, non, Inès, je crois qu'elle est partie, les gars. Bon, il me répond, il me répond, il arrête pas de me répondre, quoi. Ouais. Ou alors Inès, elle me... Non mais imagine... Après je pense pas qu'il va montrer sa beuteux, les gars. Vous avez vu, il a dit qu'il était puceau et était timide. Soit c'est le plus grand troll de l'histoire de l'application, ou soit il est fou naïf, hein. On peut pas faire son live, sinon on est bloqué direct. On peut pas faire quoi? Bienvenue. Pour l'adresse, tu demanderas à Brunette ou Anne et ils te donneront l'adresse et voilà. Ah, la ligne blanche. Mais j'en suis sûr, sûr. Putain, quel live encore une fois.
Ah, j'ai toujours dit, c'est les hommes qui invitent, hein. C'est comme ça, ça. C'est... Non, pas de reveal, mais c'est quoi ça, staff bleu 26 ans? Mais gros, je lui ai envoyé une photo avec Fujis, le gars, il était encore plus heureux. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas les mecs, vraiment. Ouais, je sais pas, Bud Barney. Sinon, j'en ai un autre, les gars, full peur, c'est Patrick, je sais pas si vous avez besoin. Le mec de 68 ans, les gars. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Je sais pas si vous en souvenez de Patrick. Ah putain, pourquoi ça marche pas, là? Foire. Bon. Ça marche plus, j'ai l'impression. Attends, est-ce que je lui dis de lancer un live? Attends, attends, par contre, s'il lance un live, au pire, j'envoie Justine en frontal. Tu peux lancer un live public, s'il te plaît. Je suis... Par contre, lui, j'ai l'impression que ça a l'air d'être un gros pédo, hein. Ouais, pour ceux qui s'en rappellent pas, les gars, c'était lui. Je sais pas si on arrive à voir d'ici. Ah merde, mais... Il n'y a pas de focus. Ah oui, en plus, t'as dû être choqué de Juju de ce que j'ai fait, là. Je savais pas que j'avais une... Je sais pas si vous en souvenez de lui, les mecs. Bah, j'attends qu'il lance un live. S'il lance un live, bah, go dessus, hein. Il a 67 ans. 67 ans. Au pire, je l'appelle sur son numéro de téléphone. Ouais, mais j'attends. Ouais, non, c'est chaud. Je sais pas. Parce que si je me rate au niveau de... J'ai son numéro de téléphone. Après, il aura mon numéro de téléphone, après, derrière. Ouais, je sais pas quelle stratégie adopter. Non, mais Justine, elle est dispo. Elle est OP pour tout, Justine. Par contre, je sais pas pourquoi ça plante. J'ai pas une image, j'espère. Appel en masqué? Allô? Attends, c'était quoi? C'était Elodie. Bon, on va voir. Attendez, je l'appelle, hein. C'est quoi pour rappeler? C'est dièse, 31 dièse? Après le dièse, 31 dièse, c'est direct 06 ou je mets 6? Tellement longtemps. Ok. Ils m'ont tous filé leur numéro de téléphone. C'est ouf, quand même. On va voir. Bonjour, vous êtes sur le répondeur du 06. Oh merde. Oh non, il a pas répondu. Peut-être qu'il répond pas au... Patrick, il répond pas au numéro... J'en ai un autre numéro de Pearl. Attendez. S'il te plaît, appelle Régis en RP Brouter. Vas-y, envoie-moi son numéro alors, Waluigi. Il dort. De toute façon, il dort pas à cette heure-là. Ok, vas-y.
Envoie-moi sur Discord. Avec une voix, une grosse voix d'Africain. Oh non. Go lui vendre un truc. Attends, qu'est-ce qu'on pourrait lui vendre? Enfin, un truc absurde. Un lot de maracas, des bouteilles de Perrier. Le CPF. Ok, j'appelle pourquoi, attends. Une assurance vie. Vends-lui un fut de l'EF à 3 euros. Mais il va m'insulter, les gars. Avec l'accent africain, il va m'insulter direct, les gars. On va essayer. Hein. Un chameau. Je vais vous vendre un chameau. Je vous passe mon collègue. Ouais, salut, c'est Régis. Bon, bah, je suis pas là, je suis pas dispo. Si tu veux, laisse-moi un message et puis on avisera, je te rappellerai. Merde. Il a une voix trop équilibrée là-dessus. C'est ouf, hein, comme on le reconnaît pas. Hein. Il a pas du tout la. Ah, ouais, vous avez vu, hein, vous avez remarqué ou pas? Non, c'est dingue. Bon, attendez, parce que Justine, elle va assouvir son désir le plus profond de chauffer un peu, je sais pas ce qu'elle attend. Il faut que je trouve aussi quelqu'un de qualité. Non, Thibault, on l'avait vu qu'il était gentil. Il n'a pas eu cette voix depuis 1999. Tu penses que son répondeur, il date? Attends, on va en trouver dans les bas-fonds pour Justine. Je vais essayer pendant ce temps-là, les gars, de chauffer... Je vais essayer de chauffer l'autre, là, lancer un live. Putain, l'autre, il m'a envoyé son WhatsApp. J'en ai un, mais je sais pas comment faire. Parce qu'en fait, il me veut, il faudrait qu'on le revoie. Mais le problème, c'est que... Attends, le problème, c'est que c'est en privé. Donc du coup, je sais pas comment le faire pour que Justine, elle... L'idéal, ça serait qu'il fasse un live, quoi. Ça aurait été tellement bien. Attends, j'en regarde. Vous avez vu, hein, ouais, c'est Régis. Car je suis sûr. Si, j'ai son numéro, là. Il est en train de me spammer, il m'a envoyé son snap. Ah, son snap, attends, est-ce que... elle peut me montrer son snap, le snap en direct? Sur Insta... Attends, je lui demande. Je lui demande sur Insta? Mais est-ce qu'on pourra le voir, nous? C'est ça, en fait, hein, Queen, Juju. Faut que ce soit possible de le voir. Ou alors en DM, sur Discord, tu me partages... Jardin, ouais. Sur Discord, est-ce que tu peux me partager? Non, c'est moi. Un berger allemand. Wow. Ah. Et hey, Théo, moi je suis sorti avec une femme pendant 6 mois. Et ben après on m'a dit une chose, j'y croyais pas. On m'a dit qu'ils l'ont emmené une fois en urgence. Il y a son kleps, il était accroché à son cul. Ben, j'ai un collègue par contre, il avait un père, il était ivrogne. Ouais. Et
et il essayait de se sucer. Il est resté bloqué. Non, sérieux? Il a dû aller à l'hôpital, mais c'était la honte. Ah bah d'accord. Ouais. Bah tu, non, tu es contorsionniste, il s'est baissé, c'est la caquette. Bah, putain, la honte. Madame, c'est pourquoi Benjamin se sucer, moi. Théo, je vais te raconter une histoire. Je vais te raconter une blague, tu la racontes quand tu vas en famille, tu sais, quand tu manges en famille, il faut la raconter, pas comme ça. Hein. Moi, je te la raconte maintenant, mais il faut la raconter quand tu es en famille en train de manger. C'est une mamie qui se réveille de bon matin, elle fait un orgasme. Putain, dit un orgasme de bon matin, c'est pas bon. Je la connais. Arrivé midi, elle en a deux. Et l'autre, elle fait putain, deux orgasmes, ça en fait trois. Ah, Laurie, ta gueule. Vas-y, continue, il n'a pas compris. Elle fait un orgasme. Arrivé le soir, elle en a un quatrième. Et elle dit non, demain matin, je vais aller voir le gynéco. Le lendemain, elle va voir le gynéco. Et le gynéco, il lui fait qu'est-ce qui vous arrive, ma petite dame? Ah, elle, ouais, comme ça, comme ça. À un moment, il ouvre la fenêtre, il regarde le minou, comme ça, il ouvre, il écarte, il fait oh, mais c'est rien. C'est un asticot qui fait le tour du clito. Oh, c'est vraiment dégueulasse. C'est sale. Et Laurie, elle a failli balancer la mèche. Hein, ma petite Laurie? Ouais. C'est maline. Ouais. Voilà. Ouais, j'ai là. Il a vraiment dit en famille. Ah, oh, mais il faut la raconter en famille, Théo. Comme ça, tout le monde est à table. T'inquiète pas que personne va manger. Hein. Ouais. Économie. Hein. J'éviterai, on verra. Moi, c'est dommage que je l'ai raconté parce que le jour où j'aurais fait une réunion chez mes amis, je l'aurais raconté, hein, Marie? Et tu l'as raconté, et tu l'as raconté à la maison. Je serais venu à la maison, je serais venu vous voir, j'aurais raconté. Ouais. Je n'ai pas compris ce que tu m'as dit, Gustave. Pardon, Théo. Théo. Excuse-moi. Gustave, c'est pas joli. Ouais, en tout cas, on n'est pas là pour être joli ou pas joli. Hein, Laurie, c'est vrai. Ouais, Tignas. Ça va, ça te calmer, hein. Je serai ta meilleure. Ah, ça y est, l'autre côté, c'est un bon. Malgré tout ce que l'on me dit. Moi, je peux vous dire une chose. Sauce ma balle. Sauce ma comme ça. Justice, moi, je vais t'envoyer. Hein. Wow, j'ai pas dit sauce ma bête. J'ai dit sauce ma balle. Mais c'est un baiser. Elles sont mineures, les meufs. Enfin, elles ont... Allô? Oui. Théo? Vous êtes radié. On le piège ou pas avec Justine? Bah Laurie, on se retrouve où sur Instagram après ou quoi alors? Ouais. World. Non, on se retrouve avec moi sur Instagram. Bon ben, je vais aller avec Marie sur TikTok. Je viendrai l'année prochaine. C'est alors, bon. Ignace. Goal piégé, hein, vas-y, on y va. On va aller sur TikTok. Moi, je l'ai pas TikTok. Le tic-tac. Tu ça devrais l'installer, c'est rigolo, Ignace. Vous pensez que c'est un pointeur? Bah, je l'avais une période. Ça va après, bon, bah après, comment je fais pour se trouver sur TikTok alors? C'est un fake. Salut Justine. Non, c'est pas un fake. Je vais te prendre en ami fake. Je vais la prendre en favori, regarde. Hop. Je serai là. Voilà. Et une de plus. Allez. Une de plus. Waouh. Lady Gaga. Il y avait Lady Gaga à la télé. Waouh. Oh là là. Oh, c'est ça. Meuf, là. On est d'accord qu'il n'y a pas de concurrence. Elle n'a pas de concurrente. On est d'accord. Ah, bah, la dernière qu'elle a fait, là, le film avec. Avec Bretner machin, là, elle est belle, cette chanson. Ça va, à part ça, on rigole ou qui c'est qui veut monter là? Attends, c'est Justine elle a déjà accepté la cam. Ça va être masterclass. Viens, ma Justine, monte. Hein? Voilà. Salut. Hey. Bonsoir, Justine. Bonsoir, Justine. Ça va, vous allez bien? Bien, et toi? Et toi? Super.
Bien. Alors Théo, je suis un fake. Ah non, t'es pas un fake. Bien joué, Justine. Franchement, franchement, désolé, bravo. Ça bien non, joué, Justine. Regarde, elles sont jalouses, elles sont jalouses. Non, non, mais moi, je regarde quand même avant, tu vois. Après, j'ai dit, bah, ouais, je vais te rajouter un favori, ça t'a pas dérangé, j'espère. Ah, pas du tout, tu peux y aller, hein. T'inquiète pas. Hein. C'est gentil. J'aime beaucoup. Ça parle plus, regarde. T'as quel âge? J'ai 23 ans. D'accord. Pourquoi elles rigolent les filles à côté là? Rien du tout. Non, parce que je vais t'expliquer. Moi, je prends beaucoup de personnes en favori. Bah, après, on me dit toujours ouais. On me dit toujours tu prends beaucoup des jeunes. Bah, moi, elles sont sympas, elles viennent me voir, elles rigolent, on parle bien avec. Voilà, après. Bah, bien sûr. Pas parce que j'ai 57 ans qu'une personne vient pas me parler. Je suis plus dans les darons. Hein. Laurie a l'air d'avoir le seum. T'es plus dans les darons ? Ouais. Je suis toujours sortie avec des mecs beaucoup plus âgés que moi. Ah, mais là, ça fait... ouais, j'ai quand même ouais, un petit paquet, mais bon, voilà. Non, mais moi, je te trouve déjà sympa. J'ai vu que tu voulais beaucoup bien parler et tout, donc il n'y a pas de problème. Hein. Non, je suis là, Elodie. Il n'y a pas de soucis. Non, mais t'inquiète, j'ai l'habitude de la jalousie des filles. Elodie. J'ai gâté. Quand je suis arrivée, elles ont pouffé de rire en mode. Non, c'était pas de ta gueule. Non, mais t'inquiète pas. T'es une amie, t'es sur mon live. Moi, je t'ai dit, aussi. Tant que tu es correct avec moi, voilà, il n'y a pas de problème. Je suis correct avec toi. Ça y est, Ignacio. Oui, mais je sais, t'inquiète pas. Bah, Théo, tu n'as pas commencé à dire des conneries, s'il te plaît. Ah oui, la régie. Qu'elle a fait. Merci. Marie. Pourquoi? Mais pourquoi? Non. Attends. Non. T'as vu la gueule de la meuf, toi? Comment elles ont le seum? Elles se foutaient de toi, la meuf. Mais oui. Je m'en fous. Je leur pisse au cul. Ah non, mais moi. Oh la Attends, qu'est-ce qu'elle a dit? Attendez, on va voir le seum. Je me suis cachée, j'étais en train de taper un fou rire. Ah non, mais moi je préfère les mecs plus beaux que les. Je suis toujours sortie avec des mecs. Elle a dit qu'elle préférait les darons. Ouais, voilà, les darons. Elle a des cils, frère. Elle peut s'envoler avec les deux. Non, mais attends. Franchement, moi, je l'ai laissée pour voir. Je voulais voir à quel point elle arrivait. En tout cas, il n'y aurait rien eu avec elle, ça, c'est sûr. Désolé, il y a rien eu. Non, mais ne vous inquiétez pas. C'était pas du tout. Il n'y avait rien à voir. C'était pas mon style du tout. Mais bon, voilà. Après, moi, vous le savez, je prends tout le monde. Moi, je m'en fous. Après, je fais mon choix. Hein. Je bazarde. Hein, donc. Tu me connais, Marie, maintenant. Je commence à bazarder. Donc, Je m'appelle Justine, j'ai des lourcines. On est... Attends. Sa tête, elle est sérieuse, elle. Ah non, mais moi, c'est comme ça, Théo. Donc, c'est, ça confirme bien la jalousie, moi, en fait. J'aime bien. Tu vois, j'en ai connu deux, trois. Tu l'as démaquillée, elle fait peur. Bah, alors, ah oui, possible. Hein. Tu vois l'arbre là, bière. Bon, Justine, s'il te plaît, calme-toi. Il va falloir un aller-retour. Voilà. Ah merde, bah... Elle fait des fakes en plus. Mais grave. Casse-toi, Justine. Tu prends tes caleçons sales. Et tu pars de ma vue. Oh, là, j'ai envie de les tarter. Quoi. Et je peux être modo, encore, j'aime bien les gens. Je peux être modo. Ouais, attends, je vais te mettre en modo. Elle pue le seum, mais tu se fort, les gars. Allez. Par contre, hey, Théo, tu vas mollo quand même. Hein. T'inquiète pas. Je gère. Ah ouais, ouais. Monter, hey, je connais la publicité, je gère. Hein. C'est bon. Hein. Attends, j'ai pas un compte qui. Non, mais t'inquiète pas, je vire pas sans ton autorisation. Je vire pas sans ton autorisation. Écris, vas-y. Je vire pas sans ton autorisation. Non, mais le pire, c'est qu'il est arrivé là. Essaye d'écrire, Théo. Je vire pas sans ton autorisation. Non, mais les filles, ça me dérange. Les filles, elles peuvent le faire. Je m'en fous. Moi, j'ai confiance en Marie, j'ai confiance en Laurie. Donc, ça. Mais, Non, mais c'est que ça allait mal finir. En fait, j'allais pas tarder à l'insulter. Laurie, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. D'accord ? Je t'ai rien dit. Je t'ai dit, j'ai fait oh, mais il n'y a rien eu. Hein, vous inquiétez pas. Hein. Ah ouais, en plus, alors, Théo, comme ça, je sais le faire.
Elle a juste pris le pot de peinture et elle s'est... Essaye d'écrire, Théo, s'il te plaît. Ah ouais, mais Théo, c'est un connard. Moi, les meufs comme ça, ça m'énerve. Ah, je peux pas. Moi non plus, je peux pas. Le pire, c'est que tu leur lèves le plâtre et les fossiles. Je suis sûre qu'elle a une quéquette derrière. Impeccable, bien joué. C'est bon. Non, parce que le problème, si je mets des modos, on ne sait jamais. Il y a des fois, vous n'êtes pas tous ensemble. Donc, bonsoir, Benjamin, ça va ? Un qui est avec moi, il peut le faire. Autrement, moi, je le fais, hein, mais je mets des modos, c'est pour moi. Je ne regarde pas les défilants, des fois. Marie, elle le sait, je ne regarde pas le défilant, moi, j'aime pas. Tu vas bien, Benjamin ? Bonsoir, les poufias. Donc, qu'est-ce qu'il veut, lui ? Attendez, c'est pour moi, c'est pour moi. Vas-y, insiste-le, toi. Salut la poufias, ça va ? Merde. Voilà. Benjamin. Allez, Benjamin. T'as vu ? Il y a une poufias qui est venue, il y a 50 commentaires comme elle, comme la poufias. Benjamin, t'es chaud. Je fais monter ou pas, Benjamin ? Vous le connaissez ? Vas-y, fais-le monter. Au pire, on le vire. On a la gâchette facile avec Marie. Benjamin, attention à ce que tu dis. Bonjour, chère demoiselle. Bonsoir. Bonsoir, pardon. Oui, merci pour l'accueil. Mais de rien. Il vient d'avoir de l'ambiance. Oui, je viens d'arriver, etc. Il paraît qu'il s'est passé des choses juste avant. Je n'étais pas au courant. Benjamin, déjà, tu vas te montrer avant d'arriver. Ouais, on va t'en laisser, Marc. T'inquiète pas. Je mets un t-shirt alors. Je suis à vous. Finis de te branler et après, viens sur la cave. Alors, comme ça, vous avez bien le seum, les deux petites mâches là. Hein, vous critiquez Justine, mais vous avez rien dans le froc. Ta gueule, toi. Ignace, choisis la plus belle, c'est Justine. Te laisse pas. Oh, il parlait trop fort, mais il me donnait mal à la tête. Attends, c'est un Renoir, il est en photo. Il me donnait mal à la tête, là. C'est bien. Il me donnait mal à la tête. C'est quoi ça ? Attends, je mets un t-shirt. Putain, dommage. Bah, on rigole. Marco, tu veux monter un peu ou pas ? Marco, tu veux remonter un peu, Marco? Mais ils sont amusants combien là? Ils sont combien à faire des trucs fake là? Ah bah attends, la dernière fois ils sont venus une colonie. J'en ai viré un. Il y a l'autre qui est arrivé. Il y a l'autre qui est arrivé. Commence à ouvrir sa gueule, ça commence à me pêcher. J'étais tout seul en plus. J'étais tout seul. J'ai vu tout le monde. Allez, ra. L'autre, elle ressemble à la CGM base de Vera de Scooby-Doo. Ah, tu travailles demain, Marco ? Bah merde. Bah, moi, je travaille pas demain. C'est con. Hein. Si ils aiment autant leur Justine. Pas le physique. Pourquoi je la garde pas, en fait ? Bah oui. Mais c'est qui ? C'est la chef de la bande ou quoi ? Je craquerai pas. C'est vrai. C'est la chef des bimbos, ça, c'est sûr, je peux le dire. Ah bah, c'est pour être une bimbo, c'est une bimbo. Hein. Elle se prend pour une bimbo, allez. Hé, hey, Théo, tu veux aller rigoler, je te donne le nom d'une fille, tu vas aller regarder si elle est en live. Oui. Tu montes en cam avec elle 2 minutes, elle te sort tous les noms d'animaux. Ça te va ? Ça s'appelle comment ? Titia, T-I-T-I-A. C'est une corse. Titia, bon. Mais non ! C'est une corse. J'irai voir tout à l'heure. Mais non, elle est là. Ben je te jure. C'est les t-shirts. Déjà d'entrée de jeu, elle va te dire le boulot qu'elle fait. Elle est traqueuse de cassos. Traqueuse de cassos. C'est nous. Elle est traqueuse de cassos. Hier, il y a un mec qui est arrivé. Il lui fait tu fais quoi comme métier ? Elle, ouais, moi je suis traqueuse de cassos. Ah putain. Et le mec, il commence à lui dire moi je fais. Elle lui fait, je n'en ai rien à foutre de ce que tu fais. Tu fermes ta grande gueule. Tu n'as rien demandé. Ah ben l'autre, scié. Signé. Ouais, alors, elle te l'a viré. Elle a des bandes de cons, dégage. J'ai dit, elle est malade, ces gonzesses. Elles sont jolies, tes boucles d'oreilles, Laurie. Ah, merci. Regarde-moi ce coq. C'est mignon, en forme de cœur. J'ai même pas vu les boucles d'oreilles, Laurie, je vois. En forme de cœur. J'ai un hélix. Ah oui. Et j'ai deux boucles d'oreilles. Bah, fais-moi voir, je les ai pas vues. Toute la soirée, je suis avec toi. J'ai pas vu. Mais t'es malade. Je les ai même pas vues de la soirée. Quoi ? Quelqu'un peut aller voir si Titia est en live, les gars ? Mais les pères toutes seules. Mais t'es pas bien ? Ouais, mais toute la soirée, je les ai pas vus, hein.
J'ai même pas aussi, elle, ma meilleure amie aussi, elle a fait un hélix, c'est un petit... Ah, il y a mon pote, c'est qui est monté, là. C'est beau, j'aime bien. Voilà, c'est qui va monter, attention. Non, 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 non. Vas-y. Je reviens, attends, je reviens. Il y a un gars qui va monter, attendez, c'est qui? Allez. C'est un gars de chez nous. Allez, attendez, allez-y, hein. Ouais, allez. C'est qui celui-là encore? Et Laurie, elle est partie, Laurie. Non, je suis là. C'est Théo. Ah non, ça va. Ah non, ça va. Il voulait les deux meufs. Attention, Doudy. Première semaine, que ça mouline, que ça mouline, que ça mouline. Va pas me sortir Ludivine, hein, parce que là, ça va pas le faire. Voilà. Hein. Ça mouline plus. Oh, mais comment on peut être comme ça? Mort de rire. Voilà, j'ai entendu. C'est la connexion du bled, c'est rien. Comment on peut être comme ça, quoi? Seigneur. Il ça a eu peur. Ça mouline. Ça va, Laurie, elle se prend pour une bichée en plus de ouf. Non, ça va un peu mieux là. J'avais un coup de porte alors. Ouais, bah tu me le dis hein, quand t'es fatigué quand même. Tu veux me virer? Non, ma belle, tu sais bien que je vais pas te virer. Arrête de... Mais arrête depuis tout à l'heure là, je vais te virer. Il faut arrêter de dire je vais te virer. Putain. Tu veux me virer, dis-moi, Inès? Dis-moi plutôt que tu veuilles partir, Laurie. C'est tout. Les Goonies. Non, bah Marie, non. Bah non, Marie, je te vire pas, tu sais bien. Tu veux nous radier? Pour une fois que je peux te garder un petit peu avec moi, merde. Mais moi, cette relation, ça va, je laisse ta copine Justine, là, je crois qu'elle s'appelle. Bon, arrêtez. Bah, si vous voulez partir, vous partez, hein, comme vous voulez. Hein. Monsieur Ignace. Oh. Elle n'est pas très saine, cette relation, je trouve. Ah bon? Il a quand même 58 ans. Et si vous ne voulez pas rester, vous me le dites, hein, moi, je m'en fous. 22 tu ans, prends tes caleçons sales. De la loi. Et tu es hors de ma vue. Tu n'as pas de principe. Je te jure sur ma vie. Putain. J'ai pas de principe. Tu n'as pas de valeur. Je vais craquer. J'ai appelé mon grand frère. Et il vient d'aller. Tout c'est terminé. Tu me cherches, je suis plus là. Ah, ah. Tout ce que j'aime pas. Faut pas que je craque. Fais-moi un petit plaisir, Laurie. Fais-moi la grand-mère. Attends, on va voir. Eh bien alors, dis-tu bonjour à mamie. Ah, je suis mort de rire. Elle a fait bien, hein, Marie. En plus, vous avez le même âge que vous avez quoi, comme c'est sentiment, ça. Quel âge t'as, Laurie? 22. Attends-moi. Ouais, il se divertit, ouais, je sais. Eh oui, vous avez le même âge. Il y a la haine, de la haine. Non, quand même pas de la haine, les gars. Vous n'en rien fait, mais... Ouais. Ah ouais, le rage? Oui. Oui. Juste une petite rage, mais pas de la haine, quand même. Oui. Voilà, de la rage. Oui. Je te fais le BN. De la haine violente, je monte en ego, du dégoût, de la triple dose. Le BN, fais-moi le au chocolat, s'il te plaît. Si j'ai la haine, de la pitié et de l'incompréhension. De la peur est le chemin qui mène au côté obscur, quoi. Et la peur mène à la colère, la colère mène à la... Je te jure. C'est le BN de Leader Price, regarde. Putain, c'est ouf. Putain, c'est ouf. Oh, Seigneur. Allez, je vais voir si Titi est là. Les t-shirts. J'arrive plus à tank. Ouais, dommage, chercher les t-shirts. Mais est-ce que vous avez un autre compte, les gars, pour que je puisse la retrouver? Elle t'a peut-être ban, ouais, je sais pas, c'est pour ça que je vous demande les autres, mais là, ceux qui ont des comptes, les potes. Il faut que j'ai dans des lèvres comme ça, quoi. D'Adam et Ève, là. Ça y est, on est parti d'Adam ah, et bah, Ève. Tiens, il y a McBride. La pomme. Et la pomme. Cool, hein. Pomme. Putain, je suis dans les bas-fonds de l'appli, quoi. Il a dit live d'hier, ouais, je sais, ouais, mais je pensais qu'elle était encore t'as là. T'as touché un vent dans une, tu vois, une femme enceinte quand ouais, le bébé bouge, c'est impressionnant quand même. Oui, c'est impressionnant quand même. Oh putain, touché, je crois que j'ai coupé le live. C'est mignon. J'ai vu ça avec ma tante qui avait eu mon neveu à l'époque. C'était trop mignon. Oh, je l'ai raté. Oh, non, il y a plein qui veulent pas parce que déjà, il y en a plein qui touchent, c'est bon. J'ai déjà cherché Titia, les gars, j'ai déjà cherché. C'est la sans photo, les t-shirts. Ah! Je peux te faire une API pour les créer automatiquement. Ah ouais? Mais ils sont pas direct ban par hasard, ceux-là?
Après, Ludo, j'avoue, il demande même pas de vérifier le mail. Hein. C'est ça qui est dingue. Carré dans l'axe, 54 ans, on va voir. Non, pas, pas ça, mais... Non, non, Tissia, je l'ai essayé là, à l'instant, les potes. J'ai essayé, je la trouve pas. Elle est pas en live. Laetitia, c'est qui? C'est la elle? C'est la sans photo? Non, c'est pas elle, la vraie Laetitia. Pas l'éclair au chocolat, mais sors pas une éclair au chocolat, frérot. Même pas peur. Ouais, bah tu devrais. Vous avez l'air cool en tout cas, je suis contente d'être tombée sur vous, MDR. Bah on est cool, mais faut pas nous énerver. Non, la foudre. Ouais, non, mais je parlais pas de toi, Nui. Je sais pas c'est quoi ton prénom, mais je parlais d'Agraf. Il aurait été capable de me dire, ouais, une éclair au chocolat. T'as ah bah voilà, coup, voilà, les détracteurs. Hé hey. Je savais bien qu'un jour ou l'autre, les détracteurs allaient vous manquer. Vous me croyez pas, les gars? Vous me dites, ouais, elle est trop, elle est en monocontent. Et je vois comment, je commence à avoir des, ouais, je vois des messages dans le chat. Ouais, elle me manque, les t-shirts. Je la préfère maintenant à Latina parce que Latina maintenant elle est en mono RP. Je le savais, les gars. Je vous l'avais dit, faut pas abuser des bonnes choses. Je savais qu'elle allait vous manquer au bout d'un moment. Je le savais. Sarah, je me manque, ah ouais. Qu'est-ce qui te manque le plus? C'est le come never? Come never! Oh là là. Tu n'as pas eu peur? Qu'est-ce qu'elle fait? 2 euros de lead, quoi, putain. Bon, je regarde s'il y a un dernier peur pour. Après, je décroche. Ça peut être intéressant, ça, Justine, pour en dernier. Dernière personne, je pense. Après, je prends le je coupe axe. Tu peux tourner la caméra parce qu'il va essayer de me casser les couilles, ça. Salut. Ah, salut. Je peux. Attends. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, parce qu'elle est en. Qu'est-ce que tu fais? Parce que le téléphone est en charge. Tu vois? Oui, bah charge de bien. Et donc il y a le câble qui est dessous, c'est pour ça. Et oui. Et puis là. Attends, il glisse. Hein. Super. Non, pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Non, je suis déjà en train de passer ouais. En mode brouteur. Il faut que j'arrête, je suis trop drogué. Quand j'étais jeune, oui. Mais non. Hein? Quoi? Attends. T'as quel âge, toi? Hein? T'as 22 ans. Tu as déjà fait avec des hommes. Non, jamais. Non. Pourquoi tu dis ça? Merde. Non, non plus. Hein. Pourquoi? Mais non, t'as des drôles de questions. Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que ça marche bien? Il parle de ses yeux quand il était jeune. Oui. Ok, j'ai pas écouté, désolé. Ça marche bien. Ça, pourquoi c'est pas un gay? Mon métier, ouais, mais je bosse, ouais. Je suis dans l'informatique. Oh putain, mais ton téléphone, tiens-le! Ça marche pas, le... Tiens ton tel un peu là.
Toi, il a quel âge, 30 ans? Je suis le seul sur son live. Mais non, il a pas 30 ans, il a 49 ans. Il fait plus jeune quand même sur les photos, non? Est-ce que je lui montre une chatoune en frontale ou... Merde, en plus, bon, c'est un compte mec, mais c'est pas grave. Voilà, il n'y a plus personne. Si, il y a quelqu'un. Merde, les mecs peuvent pas monter. Il y a personne sur son live, quoi. Bon, laisse tomber, Justine, n'y va pas, Justine. Je vais juste voir si je peux aller sur Bigo et si ça plante, je décroche. J'ai eu ce qu'il fallait, quoi. Je me suis bien marré. Parce que je dois, demain, j'ai les enfants, donc voilà, quoi. C'est qui, Daniel Labrune, qui vient de follow, là? Ah non, il y a une heure. Daniel et Labrune, me dis pas que c'est une stalkeuse. Ouais, je sais, Gribouille, mais j'étais en overstream ces derniers jours, quand même, non? Tu trouves pas? Bah, y a pas les t-shirts. Zarma, t'es divorcé. Ouais, t'as vu, j'ai dit ça comme si. Bon, bah, demain, j'ai la garde, les gars. Bah, ouais, mais tu seras bien obligé de faire des gosses un jour ou l'autre, hein, 16-2-1. Non? Tu dois pas faire des gosses? Putain, je peux même pas le faire. Je peux même plus faire des points Nigeria, quoi, à l'ancienne. Ouais, y a pas de les t-shirts, ouais. Attends, peut-être que si je relance. Elle me manque, les gars. Ouais, merci, Gribouille. Non, mais on a bien rigolé. On a bien rigolé. Il faut que je trouve un truc, là. Faut que je... Comme ça, ça me permettra de poser, de réfléchir à ce qu'on va faire sur cette semaine encore. Et hop. Le mariage, c'est tabou. Bon. Ça me casse des couilles, sérieux. Pourquoi ça marche pas? J'ai envie de... Chou, je vais lui mettre des baffes. D'abord la Tesla et après on verra. Vous avez vu les mecs? Ouais, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, les gars. Et ça vous pendait au nez. Et je vous l'avais dit de faire attention et de commencer à commander. La Tesla a encore augmenté de 2000 euros, là. Le modèle basique le moins cher. Donc du coup, il n'est plus éligible au bonus écologique de 6000 euros. Donc maintenant, c'est minimum 47 000 ou 48 000 balles, je crois. Et du coup, c'est la baise. On est pauvre de toute façon. Non, je sais pas, peut-être qu'il y en a parmi vous aussi. Non, je sais qu'il y a Billy, je crois qu'il a une Tesla. Isuniel, ton père, il voulait pas acheter une Tesla, lui? Bah oui, c'est de votre faute. Je vous file un bon tip, c'est vous y allez même pas. Ah, ok. Ça marche toujours, ça. Attendez un instant. Oui, salut. Ça va ou quoi? Oui, est-ce qu'il y a une demoiselle ici, là? Quoi? Il y a une demoiselle. Qui? Il y a la petite fille, là. Elle était où? Elle est passée où? On va l'inviter en toi. Ah oui. Putain, mec, t'es français ou quoi? Ouais, je suis français. Elle est où, la petite fille? Ah oui. Tu te fous de ma gueule, bro? Ah, tu me fais bander. Oh putain. Toi, tu es un pervers, toi. Ah oui, tu es beau, toi, tu es beau. Non, mais je joue pas avec le sexe comme ça, là, man. Je suis en train de toucher mon zizi. Allez, fais-moi bander. Comment? Fais-moi bander. T'es un beau black. Pas une fille, moi. Fou. Fais la fille, alors. Allez, t'as les cheveux longs, mets une perruque, là, allez. Allez. Ah bah, va chercher ta putain de fille, hein. Je sais pas où est ta fille, là. Elle est partie, là. À ton tour maintenant. Ah. Si elle est partie, va te faire chier là. À ton tour, allez, décalote-moi.
Ah, mon tour, comment, mon tour? Moi, je suis pas le film. Ah oui. Chercher d'autres personnes. Ah, boule une olive. Mais il y a trop de monde sur les channels, c'est dingue. En parlant de moi ? Bah ouais. Il écrit crusty. Ah oui, elle est où la demoiselle ? Oh. Mettez-moi lui, là. Il a mal à la bite. Oh ma queue. Elle est où la fille, la petite Jamila ? La petite Jamila. Mister Fallan. La petite Jamila, elle est où ? Il a faim. Voilà, c'est un pédophile Star Fallan. Nique ta mère. Ah, la petite Jamila, elle est où? Ah, coquin, un gros cochon. Elle est ta mère, tu fais tes buts. Déjà, on en a fait ça, le fils de pute. Je suis en train de baiser vos femmes, je baise vos femmes, qu'est-ce qu'il y a? Ta gueule. T'as pas honte chez moi? T'as pas honte, t'as ça. C'est quoi le problème là, les gars? Pourquoi vous lui parlez mal à ce mec? Il est normal, il est normal, le gars, tranquille. Ferme ta gueule, toi! Cool, s'il a envie de trouver des meufs, des petites beurrettes, il a le droit, franchement. Ferme ta gueule, fils de pute, va! C'est quoi le problème? Ferme ta gueule, toi, parle autrement, ouais! Je suis un gars de la cité, oh, petit singe! Oh, Deska! Ouais, c'est qui? C'est quoi le problème, wesh? Dis pas là, Firmino, pas de problème, tu macaque! C'est quoi le problème, le gars? En plus, t'es raciste, fils de pute, ça va te baiser ta gueule! Eh, Annick, comme mec, il a dit beurrette, il a dit macaque, fils de pute! Ça va écraser sa tête. Oui, allô, allô, est-ce qu'il y a des demoiselles ici? Ça va, bonjour? Ta gueule. Papi! C'est moi, je l'ai mute. Oui, salut les jeunes, oui, salut. Alors, je voulais pas... Ça va, papi? Oui, bah, je parlais une demoiselle. On va jouer à la belote demain, hein, au pétanque, hein. Oui, ouais, pas de problème, si surtout, ouais. J'aimerais bien mettre mes deux boules dans la bouche de ta soeur, mais voilà. Je sais pas ce qu'elle s'en est. La grosse chatte à ta mère. La grosse chatte à sa mère. J'ai des grosses boules là qui attendent, elles vont bien rouler. Papy, ta meuf aime juste la bite. Oh, je vais tirer ou je vais pointer sur les tétons de ta soeur alors? Je tire ou tu tires ou tu pointes? Il est fort, hein, papy. Papy, t'es pénible. Il va t'étonner. Alors, papi, c'est quoi ton souci, alors, hein? Voilà, papy. Les couilles toutes fripées. Papy, il veut faire l'amour aujourd'hui. Papy, je dois ta... Papy, tu bandes pas du, papy. Papy, je dois ta femme et ta sale pute. Je m'en dure. Papy, tu bandes plus, ça fait 10 ans. Ça va, j'ai 63 ans, ça va, j'en ai encore. Oui, t'es la rabot, les ailes. 53 ans, ça bande plus, papy. Faut des médicaments pour bander, papy. Ça bande plus. Et alors, les jeunes, là, vous êtes attirés par les bites de vieux ou pas? Parce que moi, ça m'intéresse, un petit jeune comme vous, un garçon. Mais papy, tu bandes pas, papy. Tu vas me la sucer, alors, avec tes belles lèvres, hein. Tu mettras un peu d'huile d'olive pour le vérifier. Ma bite dans ton tagine. Ah oui. Je vais tremper ma bite dans les légumes. Il a tu me mettras... Essaye d'insérer un pois chiche dans mon urètre. Ça va faire poup, poup. Papi, excellent. Papi, c'est quand la dernière fois que t'as bandé? Et pas plus tard qu'hier soir, là, je me suis touché. Ouais. Tu t'es dilaté l'anus un peu? J'ai regardé un programme OCS sur OCS Choc, moins de 18 ans, une demoiselle qui suçait des gros braquemars. Des gros braquemars, hein, t'es un coquin, toi. Et t'as kiffé ou pas? Oui, j'adore ça. J'adore ça, oui. Ah ouais. La fondue. Alors vous, comment ça se passe, les jeunes? Comment vous faites avec les femmes? Moi, je suis en train de me mettre des doigts dans le cul, j'aime bien. Vous les prenez, vous leur attachez les jeux, là, comme ça. Allez, c'est bon pour la prostate, spin. Papy, tu devrais essayer. Cancer de la prostate. Oui. Je me mets des doigts dans le cul. Je suis un facho, oui, je suis un facho. Bientôt, vous allez dégager de mon pays. Ah ouais? Je vais voter prochainement. Dans un mois, je vais voter pour que vous vous dégagiez. Moi aussi, je vais voter Zemmour. Toi, tu vas dégager de la terre, tu vas mourir dans 2 ans, fils de pute. Et alors, mais les 2 dernières on années, au moins, il n'y aura pas d'arabe en France. Quel pays. Il va mourir dans 2 ans. Il va mourir dans 2 ans. Mets-moi dans ton testament, culé de ta grand-mère. C'est ça, ta petite sœur, la petite Jamila. Tu la mets dans le testament.
Avec un peu de chance, j'arriverai à la déflorer. Avec une capsule de bière, cette salope. Mais papy, ta gueule, tout se permet les verres, sale pute, toi. Avec une petite capsule. Bon, je me permets les bien chauds, surtout. Il y a comme une odeur de patchouli. Mettez-vous juste devant moi avec mon calibre de papy, 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 papy. Papy, t'arrives plus à bander, papy. Je sors le fusil, je vais vous faire dégager, vous allez voir. Camagra, papy. La petite Jamila. Camagra. Dans maximum 4 ans, tu clames. Eh, bonne saucisse, l'arabe. Ouais, c'est des pubs. Ouais, c'est pas mal ça. Pas mal cette appli, ça fait longtemps. Ah, j'adore ce bruit de porte. Oh, ça m'excite. Oh, ce bruit de porte. Allô. Allô. Alors, il y a une petite demoiselle ici. Là-bas. C'est chez les médecins, ça. Pubed, ouais, je me suis fait pubed. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Tokiwoki. On avait déjà fait ça à l'époque sur Twitch, je crois. Hein. On avait fait un peu de Tokiwoki. Je sais pas s'il y a d'autres sites comme ça un peu random là où tu peux parler. Ouais, tu m'as parlé de TéléVerChat, mais. Attends. Il n'y en a pas d'autres, mais en application, pas en téléphone. Tokiwoki, ouais, je sais pas s'il y en a qui connaissent. Mais papy, il se répète zéro réparti, ouais, je suis complètement d'accord avec toi, frérot. Ah, c'est sympa quand même, de temps en temps, de troller là-dessus, en mode roulibrax. Attends, mais c'est blindé, tous les channels sont blindés, quoi. C'est ouf. C'est les bégots. Trop de mineurs sur Télébeurre, ouais. Oh putain, c'est bon, j'ai à nouveau accès à Bigot. Allez, un petit dernier point. Dernier point Nigeria, et après de la semaine, les mecs, et après on se retrouve très bientôt, très vite, les gars, non? Il est où, Karim? Il est où, Karim? On se retrouvera demain... Demain en live ou pas? Un petit point russe? Oh, allez, un petit point russe si vous avez été gentil aujourd'hui. Bon, en France, ça va changer. Une nouvelle qui recherche une agence. Ah ouais, c'est la course. Ah ouais, c'est vraiment la course aux agences. Non, merci. Bon, allez, un petit point ici. Vous avez été gentil ce soir. Demain, break pour dimanche soir. Condor, ok. Mais tu vas juste le détracter. Non mais t'as le droit de faire ça, de te toucher avec sans live. Bon, tu me diras en même temps sur le haut. Cette application, c'est vraiment n'importe quoi. Ouais, les cheveux secs. Pourquoi elle a mis un programme à dessin animé? Oh, c'est veineux. Pour vous, c'est de l'overbzaise. T'aimes pas, toi, Yuyu. No one support me for a tequila shot. Je rappelle que nous sommes en Russie. C'est donc ça, les obus qui frappent l'Ukraine. Calmez-vous, les mecs. Il y a tout de suite pour ça. Je comprends le concept, ça doit faire mal de se tenir comme ça. C'est juste pour qu'on voit la culotte, en fait. Quel guignol. C'est là où je me dis qu'en Russie, franchement, ça va, hein. Ils sont bien.
Ton nom est Skin. Oula, c'est bizarre. Ça. Oh, elle fait peur, elle. Non ? Oh putain, tu. Oh, elle pop dans la nuit quand je. Chez moi, je flippe sa race. Je flippe. La perroutier. Aïe, aïe, je suis nul. Oui, oui. C'est un grave. Я не пропагандирую Путина. У каждого свое мнение. Я высказала свое мнение по поводу этого. Elle dit quoi, là? Oh! Ты писюн, ну... Nigeria, est-ce qu'il y a Concombre Girl tonight? Concombre Girl. Il y a trop de beurre. Il y a vraiment trop de beurre. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? So you wanna leave me? J'en ai marre, ça me tue le Nigeria quand même. Hein. Je cherche juste la ni. Oh, putain, elle fait peur elle aussi. Je cherche juste ni. T'as droit de faire ça en bas? Attends, t'as le droit de faire ça en bas? T'as droit la pluie? Mais what? On fait tous les mecs qui l'applaudent normal. What's up, people? Après, je sais, je me rappelle, il y a des streamers des fois en boîte, ou la poêle. Je sais qu'au métropolis, ils disent ça au moins. Ça me gratte, tu vas te calmer, toi. Pas de ça ici. Ouais, j'ai pas la concombre girl malheureusement. Allez, un petit un dernier point en Indonésie parce que des fois il y a des trucs what the fuck. Putain. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, c'est comme un gars. C'était un mec, le mec en à gauche là, c'était un gars? Comme d'hab, des mecs qui se font bait par des girls sur. Ouais. Y'a que ça. Y'a que ça. C'était des mecs. Je pense, à mon avis, ça doit être un. Dans cette population, il doit y avoir full con, je pense. On s'en fout là, que. Mais c'est le seul pays là où je vois des mecs se faire bait par des meufs en loop. Je vous assure les gars. Ou alors des brouteurs à l'indonésienne. Oh, okay.
Thank you.